Alors, nous allons donc aller un peu du côté d'Abidjan encore pour voir si notre invité en ligne. Alors, un peu donc de musique, le temps donc d'avoir. Voilà, nous allons aller du côté d'Abidjan hein, pour voir si notre invité en ligne. Monsieur Assadé Tumoko, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, bonsoir, je suis en ligne. Voilà, bonsoir, monsieur Assadé Tumoko, comment allez-vous, hein? Je vais bien, merci. Et chez vous? Oui, ça va très bien. Comme je le disais, c'est toujours un honneur de vous avoir. Je me souviens la première fois que nous vous avons eu, il y a à peu près au moins 5 à 6 ans, hein. Et vous avez certainement fait un peu le point de la situation sociopolitique à Abidjan. Vous êtes un peu mis dans la peau, c'est tellement d'un, j'allais dire un peu un justicier, hein, ou bien quelqu'un qui essayait certainement donc de régler donc le problème des autres, hein, et qui oubliait le plus souvent lui-même ses propres problèmes, hein, ce qui vous a coûté pratiquement une année de prison. Et cela ne vous a pas du tout affecté, même si ça vous a affecté, ça n'a fait que certainement vous galvaniser, hein, depuis vous avez commencé donc à écrire, j'allais dire à critiquer un peu tout ce qui ne se tout ce qui se passe un peu au niveau donc d'Abidjan. Aujourd'hui, vous êtes le directeur général, j'allais dire, du bimensuel l'éléphant déchaîné. Alors, comment nous sommes arrivés certainement à la création de ce bimensuel? Bon, merci. D'abord, je voulais faire une précision. Il s'agit de billets hebdomadaires. C'est un journal qui paraît 2 fois dans la semaine et donc 8 fois dans le mois. Nous sommes arrivés à créer ce journal parce que vous n'êtes pas sans ignorer que j'ai travaillé pendant 2 ans à Le Nouveau Réveil et que Le Nouveau Réveil est un journal qui est très proche du PDCI. Et dans le cadre de l'opposition, dans ce journal, je continue à critiquer l'état du régime de Monsieur Babo. Et puis, quand le régime a changé, je me suis retrouvé un peu à l'étroit, Le Nouveau Réveil, parce que Le Nouveau Réveil étant proche du PDCI et que le PDCI est dans l'alliance du RADP, on ne pouvait plus critiquer le régime de Monsieur Ouattara depuis Le Nouveau Réveil. Et donc, j'ai dû démissionner de Le Nouveau Réveil pour aller créer l'éléphant déchaîné pour continuer à faire ce que j'aime faire, c'est-à-dire veiller à ce que le pays soit mieux gouverné, veiller à ce que l'argent des Ivoiriens soit mieux utilisé, veiller à ce que l'état de la société ivoirienne soit diminué. Et donc voilà le cadre dans lequel nous avons créé l'éléphant déchaîné. Voilà. Voilà, merci. Donc, l'éléphant déchaîné, avant donc certainement de venir à votre journal, hein, comme je le dis, hein. Alors, qu'est-ce qui motive le plus souvent, monsieur Assalé Etimoko? On vous voit le plus souvent jouer un peu les justiciers, défendre les plus faibles, alors que vous-même, à un moment donné, vous étiez plus faible que les plus faibles. Alors, qu'est-ce qui vous motive, hein? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce genre, certainement, donc, de boulot? Je pense que si on veut expliquer ça, il faudrait peut-être remonter dans mon enfance, parce que moi, j'ai été complètement éduqué par ma grand-mère. J'ai passé pratiquement 18 ans avec elle, et c'est elle qui a façonné ma personnalité. C'est elle qui m'a inculqué les valeurs d'intégrité, les valeurs d'honnêteté, et à avoir en horreur l'injustice. Et donc, très souvent aussi, effectivement, très souvent, j'oublie même de m'occuper de mes problèmes et de me consacrer à ceux des autres. C'est vrai que souvent ça m'attire des ennuis, mais c'est un problème d'éducation. Je ne me sens pas utile si je ne peux pas faire quelque chose pour aider les autres à évoluer. Et c'est ce qui fait que quand je ne suis pas en train de dénoncer ce qui nuit aux autres, je ne suis pas du tout à l'aise. C'est un peu ce qui explique pourquoi je me consacre aussi entièrement aux causes qui permettent aux autres d'évoluer. Alors, ceux qui ne connaissent pas Monsieur Assalé Timoko Antoine, il est donc titulaire donc d'une maîtrise, voilà, d'une maîtrise. Et il est resté un peu sur le carreau, comme le dit Abidjan, pendant au moins des mois, des années, hein, sans boulot. Et depuis, il a commencé certainement à critiquer un peu le régime de Monsieur Laurent Gbagbo. À un moment donné, il était devenu un peu celui par qui, hein, tout le monde, ceux qui avaient des problèmes venaient, alors qu'il y avait des journalistes actuellement, donc à Abidjan. Hein, et il a passé pratiquement une année en prison pour avoir défendu certainement les plus faibles. Hein. Alors, qu'est-ce que votre, je ne vais pas certainement remuer le bâton dans la plaie, mais ça fait partie exactement de votre vie. Hein. Qu'est-ce que cela vous a certainement appris, hein, une année que vous avez passée certainement en prison? Moi, j'ai très souvent envie de dire, quand on me pose la question, que aujourd'hui, je ne regrette pas l'emprisonnement que j'ai subi. Et bien au contraire, ça a été une expérience formidable qui a permis de renforcer mes convictions, qui a permis d'ouvrir mes yeux sur un certain nombre de choses dans notre pays.
Avant que je n'aille en prison, c'est vrai que j'ai déjà fait des choses, mais je n'avais pas une vision aussi pénétrée de la société ivoirienne. C'est en prison que j'ai eu le temps de me consacrer à ce qui se passe réellement dans ce pays, de regarder comment ce pays fonctionne, de regarder sur quelle injustice ce pays est assis. Et donc, cet emprisonnement a été, j'allais dire, l'occasion qui m'a permis de prendre réellement conscience de ce qu'il y avait matière à mener un combat pour aider la Côte d'Ivoire à avancer dans le bon sens. Et donc, toujours dans ce cadre-là, quand on m'interroge sur le cadre de la prison, je me dis, ça a été une occasion formidable. C'est même que ça, c'est Dieu qui a permis que je passe par cet univers pour comprendre ce que je voulais réellement faire. Je voulais défendre des causes justes. Je défendais des gens qui étaient victimes d'injustice sans que je comprenne moi-même ce que l'injustice réellement. Mais dans le cadre de mon emprisonnement, j'ai vraiment compris ce que c'est que l'injustice. Et donc ça a renforcé mes convictions et ça m'a permis, une fois sorti de prison, de réaliser que je ne serai plus jamais le même si je ne menais pas des combats qui permettent à la Côte d'Ivoire d'évoluer. Donc, mon emprisonnement, en tout point de vue, en tout cas pour moi, ça n'a pas été une expérience négative. Alors, vous combattez l'injustice, vous avez été donc injustement donc aussi condamné, hein? Alors, celui qui vous a condamné aujourd'hui, il est actuellement encore à Abidjan. Est-ce que vous avez eu le temps, après votre libération, de discuter avec lui et de comprendre exactement pourquoi vous êtes là, pourquoi il vous a emprisonné injustement d'ailleurs? Qu'est-ce que vous a fait? Écoutez, quand je suis sorti de prison, j'ai rencontré le procureur de la République, enfin l'ancien procureur de la République, M. Timo Raymond, à sa demande d'ailleurs, parce que c'est lui qui voulait qu'on échange. Et donc j'ai été le rencontrer à son bureau au plateau, et il m'a dit qu'il voulait me prêter ses excuses. Peut-être que s'il m'écoute en ce moment, il saura que je suis en train de dire la vérité. Il m'a dit qu'il voulait prêter ses excuses. C'était même en présence du directeur de publication de Le Nouveau Réveil et du rédacteur en chef du même journal. Et il a dit que c'était une affaire qu'il avait dépassée à l'époque parce que les pressions politiques étaient telles que lui-même, en tant que procureur, la République, il a été débordé par ce qu'il avait voulu faire. Bon, il a cru que c'était une petite affaire, mais finalement, j'ai passé 12 mois en prison et lui-même, il en a été affecté. C'est ce qu'il m'a dit, en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Et moi, je lui ai dit que j'avais aucun problème et que je ne lui en voulais pas et que je sais que le procureur est au service du pouvoir. Dans tous les régimes, le procureur est au service du régime en place. Et donc, s'il m'explique ça, ça doit être vrai. Mais je lui ai effectivement posé la question, ça va, mais quelle est la raison profonde qui a fait que j'ai passé 12 mois en prison? Tout ce qu'il m'a donné comme raison, c'est qu'il a été débordé. C'est comme ça c'est ce qu'il a donné comme réponse. Donc, on n'est pas allé au-delà. Moi, j'avais compris qu'on a voulu faire de moi un exemple et que par moi, on a voulu envoyer un message à tous les jeunes gens qui étaient au chômage et qui seraient tentés de faire comme moi et de dénoncer le mauvais fonctionnement de notre société. Et donc, j'ai pris acte et puis voilà, c'est cette histoire arrêtée là. Alors, vous avez donc critiqué le régime de Monsieur Laurent Gbagbo et on vous a traité d'être anti-Gbagbo. Aujourd'hui, vous critiquez le régime. Ceux qui vous ont applaudi hier sont aujourd'hui au pouvoir. Vous les critiquez aujourd'hui. On vous traite par moments aussi d'anti-Alassane Dramane Ouattara. Alors, comment voyez-vous un peu cela? Alors, ce débat, effectivement, il a lieu. C'est ce qu'on me reproche depuis quelque temps. On me soupçonne d'être viscéralement anti-Alassane Ouattara. Je réponds, je suis toujours en rigolant, je dis, mais c'est que les gens n'ont vraiment rien compris. Moi, j'ai critiqué le président Gbagbo au point où on m'a conduit en prison pendant 12 mois. Et puis aujourd'hui, les gens s'étonnent que je critique aussi le régime de M. Ouattara. Ils ont pensé que j'étais un militant du PDCI parce que je travaillais au Nouveau Réveil ou bien que j'étais un militant pro-RHDP. Non, non, ça n'a rien à voir. Moi, je dis toujours, M. Gbagbo et son équipe ne sont plus au pouvoir. Voilà. S'ils sont plus au pouvoir, moi, ils ne m'intéressent plus. Parce que ce sont plus eux qui posent maintenant des actes qui affectent ma vie et la vie de mes enfants et la vie de ma famille, la vie de tous les autres Ivoiriens. Ce sont ceux qui gouvernent maintenant qui posent ces actes qui nous affectent. Et donc, c'est eux qui nous intéressent au premier chef. Alors, M. Gbagbo, c'est un peu de l'histoire. Ils ont passé leur temps, ils sont partis. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est M. Ouattara et son régime. S'ils posent des actes qui sont positifs pour toute la Côte d'Ivoire, effectivement, nous mettons l'accent dessus, nous disons que ça, c'est bon. Mais quand c'est pas bon aussi, nous n'hésitons pas à dire que c'est pas bon. Alors, les gens pensent que dans ce pays, quand vous n'appartenez pas à un camp, vous n'êtes pas un homme normal. Donc, on veut forcément me cataloguer dans un camp. Aujourd'hui, on me traite de pro-Gbagbo, alors que hier, on me traitait de pro-PDCI. Donc, finalement, c'est des arguments qui ne sont pas intellectuellement soutenables et puis moralement, c'est pas aussi soutenable. Donc, je ne rentre pas trop dans ce genre de débat. Je dis, je laisse aux gens apprécier ce que je fais. Demain, si M. Ouattara n'est plus là, qu'un autre arrive,
Si je trouve encore le poste que tient le mien, je n'hésiterai pas à dire ce que je pense. Voilà ce qui fait que nous avons adopté notre frère Lassalé depuis belle lurette, parce qu'on a pratiquement un peu le même combat, hein, monsieur Lassalé. Nous avons les mêmes problèmes au niveau donc des États-Unis ici. Hein. Bon, à un moment, on me disait pro-Gbagbo. Aujourd'hui, on me dit que je suis pro-Gbagbo contre Alassane Dramane Ouattara. Nous avons les Voilà. mêmes problèmes. Alors, revenons Tout un fait. peu certainement à votre journal rapidement, avant de passer certainement à l'actualité sociopolitique. Vous avez fêté pratiquement une année, disons 12 mois, 12 mois donc de parution. Est-ce que vous pouvez parler un peu des hauts et des bas? Est-ce qu'aujourd'hui vous vous en sortez très bien, j'allais dire un peu financièrement, vous, est-ce que vous auto-financez aujourd'hui? Je veux dire que en termes de finances, l'éléphant enchaîné n'est pas encore ce qu'on peut appeler un succès économique. Nous avons conçu le projet en tenant compte de tous les paramètres que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire que l'animosité d'abord des confrères de la presse privée, l'animosité aussi du régime en place, et tout ce qui peut être mis en branle pour empêcher un journal d'évoluer dans le bon sens. Mais comme nous avons pris ces paramètres en compte, nous avons construit le projet de telle sorte que, quel que soit ce qui va se passer, le journal puisse paraître. Ça, c'est la première chose, c'est le premier défi qu'il fallait relever. Et pour ça, je pense qu'au bout d'un an, plus ou moins, nous avons réussi à le relever. Deuxième chose, c'est que l'environnement dans lequel nous évoluons est tellement politisé que quand un journal arrive et qu'il fait autrement que ce que font les autres, automatiquement, il s'attire beaucoup d'ennuis. Vous savez qu'aujourd'hui, tout a été mis en œuvre pour que l'entreprise ne communique pas dans l'éléphant déchaîné. Tout a été mis en œuvre pour que l'État de Côte d'Ivoire ne donne pas de publicité à l'éléphant déchaîné. C'est le seul journal en Côte d'Ivoire qui n'a pas accès à la publicité institutionnelle, c'est-à-dire celle qui vient de l'État de Côte d'Ivoire. Vous comprenez que l'objectif, c'est d'étouffer le journal pour qu'il ne vive pas. Mais comme nous avons construit le projet en tenant compte de tous ces paramètres, effectivement, malgré qu'on n'a pas de publicité, nous sommes sur le marché. Et apparemment, les Ivoiriens de plus en plus commencent à aimer la façon dont nous faisons la presse. Et donc ça nous garantit notre survie et nous n'avons pas envie de compromettre notre liberté par rapport à la publicité. C'est la deuxième chose que je voulais dire. La troisième chose, c'est que nous savons que ce que nous faisons ne plaît pas aux gens et donc nous n'écrivons pas des choses au hasard. Depuis que nous avons créé ce journal, nous n'avons pas filmé une chose qui ne soit pas étayée par une preuve écrite. Au point où, ça fait quand même 12 mois que nous existons, nous avons écrit sur presque toutes les autorités de Côte d'Ivoire en affirmant des choses parfois très graves, mais personne ne nous a jamais poursuivi en justice et même envoyé un droit de réponse violent. Non, non, parce que chaque fois, nous avons pris le soin de n'affirmer que les choses pour lesquelles nous avons des preuves. Voilà, 12 mois que nous avons passé. Le CNP, qui est le régulateur de la presse ivoirienne, ne nous a jamais sanctionné. Ni avertissement, ni blâme, ni amende, ni sanction, ni quoi que ce soit. Nous sommes un journal qui respecte les règles de notre métier, la déontologie et l'éthique. Et donc, quand nous entendons toutes ces garanties, il n'y a pas de problème que quelles que soient les difficultés qu'on va mettre sur notre chemin, ne puissent pas évoluer. Donc, après 12 mois d'existence, l'éléphant déchaîné, pour le moment, en tout cas, se porte bien. Vous avez dit que tout a été mis en œuvre. Le tout représente qui? Le tout représente l'État, un certain nombre de ministres qui ont un pouvoir. Vous savez, moi, je peux le dire, hein, vous savez qu'en début d'année, nous avons eu un partenariat avec deux opérateurs de téléphonie, je peux même les citer, pas de publicité, Orange et puis MTN, qui avaient commencé à nous apporter de la publicité. Et puis un bon matin, ils ont disparu. On n'a pas compris pourquoi. Et puis après, on a cherché à comprendre. On dit non, non, non. On les a menacés de redressement fiscal. Et donc, ils ne pouvaient pas prendre ce risque-là. Donc, ils n'avaient qu'à abandonner l'éléphant déchaîné. Et donc, ils n'ont plus jamais communiqué dans l'éléphant déchaîné. Vous avez tout ce qui se passe comme publicité en termes de publicité financée par l'argent public, c'est-à-dire les ministères, la présidence de la République, le trésor public. Toute cette publicité est distribuée à toute la presse ivoirienne, y compris les journaux pro-Gbagbo. Mais l'éléphant déchaîné n'a pas droit à ça. Donc c'est tout ça, c'est tout ce système-là qui aujourd'hui a été mis en place pour étouffer mon journal. Mais bon, nous on en a pris acte et puis bon, on ne tient pas compte de ça et puis on évolue. Voilà. Alors, voilà, bon, en fait, nous comprenons. Ah non, c'est des choses, ce que je viens de dire, c'est des choses qui sont vérifiables. Je l'ai même dit sur la RTI au cours d'une émission du Club de la Presse. J'ai dit ça, publiquement, tous les Ivoiriens savent que c'est ce qui se passe. Ça, je l'ai déjà dit. Ah, ok, d'accord, voilà. Alors, vous faites partie aussi pratiquement des 100 jeunes sur lesquels le président Obama compte pour la promotion de la démocratie, hein. En Afrique, vous avez été reçu à la Maison Blanche, au State Department. Qu'est-ce que vous avez appris réellement? Est-ce qu'aujourd'hui vous bénéficiez un peu, j'allais dire un peu, de l'appui financier des États-Unis et puis de la protection un peu des États-Unis?
Non, non, je ne bénéficie pas de quelque appui que ce soit des États-Unis en termes de finances. Ce dont, ce à quoi nous avons peut-être droit, c'est que nous avons la possibilité de d'échanger très souvent avec avec l'ambassade, de discuter avec quelques travailleurs de l'ambassade qui suivent un peu ce que nous faisons comme travail. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il y a une collaboration. Sinon, il n'y a pas de soutien financier en tant que tel avec les États-Unis. Et nous avons été souvent reçus par des responsables de l'ambassade avec qui nous échangeons sur les difficultés que nous avons souvent en termes de liberté d'expression, en termes de sécurité. Mais bon, ça s'arrête dans un cadre assez étroit. Alors, tout à l'heure, vous voyez, bon, ça serait un débat à bâton rompu. Hein, tout à l'heure, j'avais oublié de vous poser une question. Quand vous avez fêté pratiquement votre anniversaire, vous avez invité et vous avez pris pour parrain Monsieur Georges Wonien. Pourquoi Monsieur Georges Wonien? Écoutez, moi, c'est un monsieur que j'ai pour qui j'ai beaucoup de respect, parce que nous étions tout petits quand on le voyait chaque fois derrière au Faubourg Boigny. Moi, je n'avais jamais pensé un jour que je pourrais le voir comme ça physiquement. C'est un jour, je crois que c'était dans le troisième mois de parution de l'éléphant déchaîné, quand mon rédacteur en chef est arrivé à mon bureau pour dire qu'il avait au téléphone un monsieur qui se présentait comme Georges Wonien. Et donc, je l'ai pris au téléphone et il a dit effectivement que c'est lui, Georges Wonien, et qu'il appréciait le travail que nous faisions. Il avait commencé à désespérer de la presse ivoirienne, mais que pour la première fois, il prend un journal, il le lit et il découvre que en Côte d'Ivoire, on peut encore voir de l'espoir. Ça remonte, je crois, en mars 2012. Et puis, il a dit, bon, voilà mes contacts. En tout cas, sachez que je suis un de vos grands lecteurs. Et puis, bon, le jour où vous estimez que vous avez besoin de mon appui, n'hésitez pas, je serai là. C'était depuis le mois de mars 2012. Après ça, je l'ai plus. On l'a plus jamais eu au téléphone, on l'a pas appelé. Et puis quand il a failli faire notre anniversaire, on a dit, bon, il faut qu'on trouve quelqu'un quand même qui peut nous, qui peut représenter quelques valeurs pour les Ivoiriens. Une personnalité sur laquelle les Ivoiriens sont unanimes, pour ne pas que demain, ça soit interprété comme celui qui finance l'éléphant de Sénégal et consorts. Et donc on l'a approché pour dire, écoutez, monsieur l'ambassadeur, on souhaiterait que vous soyez notre parrain par rapport à l'an 1 de l'éléphant de Sénégal. Il n'a pas hésité parce qu'il estimait qu'on défend des valeurs qui sont des valeurs qui sont celles d'une république normale. Des valeurs que Faubourg Boigny défendait, a dit que la tolérance, la vérité, le rassemblement, ainsi de suite. Et donc, il est venu pour nous apporter son image. Ça s'arrêtait là. Il est venu pour faire un discours dans lequel, comme c'est la première fois qu'il prenait la parole de façon publique depuis que Faubourg Boigny est décédé. Et donc, nous, ça a été pour nous un grand moment que ce monsieur-là vienne pour dire ce qu'il a dit dans son discours. Il a dit que malgré qu'on n'a pas de publicité, on n'a pas de message publicitaire, l'éléphant déchaîné, et aujourd'hui le journal qui défend les vraies valeurs de la République de Côte d'Ivoire. Et ça nous a fait plaisir. Ça s'arrêtait là. Au-delà de ça, il n'y a pas d'autre considération qu'on puisse avoir dans le fait que Oya soit venu parrainer l'éléphant déchaîné. Il n'est pas le financier de l'éléphant déchaîné. Il n'a aucune action dans l'éléphant déchaîné. Il est venu juste pour témoigner que notre journal défend des valeurs qui sont celles de la République de Côte d'Ivoire. En tout cas, vous le faites très bien. Alors, l'autre question que, bon, nous avons des auditeurs qui nous ont pratiquement posé la question, savoir comment vous détenez certainement vos informations. Nous n'allons pas certainement nous demander donc de nous parler un peu de vos secrets et comment vous réussissez à avoir les informations. Mais généralement, comment vous faites pour avoir certainement des informations aussi crédibles? Est-ce que les gens viennent vers vous? Vous faites des investigations? Comment ça se passe? Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que il arriverait un moment dans ce pays où les Ivoiriens vont se lever pour dire ça suffit. Ça suffit avec cette classe politique infernale qui pose des actes sans penser à la souffrance que les Ivoiriens endurent au quotidien. À un moment, les Ivoiriens vont se lever pour dire ça suffit la corruption, ça suffit les injustices, ça suffit cette justice ivoirienne qui est un danger pour les pauvres, ainsi de suite. Et donc, nous avons conçu notre journal. Et puis, nous avons passé un communiqué un jour dans les colonnes du journal, ça a passé pendant au moins un mois, où nous avons demandé aux Ivoiriens, où qu'ils se trouvent, mais dans la fonction publique, qu'ils soient dans une entreprise d'État de Côte d'Ivoire, de l'État de Côte d'Ivoire, de ne pas hésiter à nous apporter des informations s'ils estiment que des gens jouent avec l'argent public. Ce communiqué est passé pendant 2 ou 3 mois. Et je pense que des Ivoiriens ont pris acte de cela. Et donc, ce sont les Ivoiriens, ces pauvres gens qui se tuent au travail, qui vont au travail à 5 h du matin, qui descendent à 18 h, tu ne peux pas rentrer avant minuit parce que ils n'ont pas la force de lutter un bus pour venir à la maison. Ce sont ces jeunes gens, ce sont ces Ivoiriens qui sont dans la fonction publique, dans les ministères, dans les sociétés d'État, même parfois même à la présidence de la République. Ce sont eux qui disent ça suffit. Quand telle chose se passe, ils arrivent à chercher à avoir des documents et puis bon, ils viennent voir l'éléphant chaîné pour dire
voilà dans tel secteur ce qui se passe, voilà dans tel secteur ce qui se passe. Et donc, ce sont eux, nos premiers informateurs, des Ivoiriens qui ne supportent plus que ce soit le peuple qui paye toujours les erreurs des hommes politiques, que ce soit le peuple qui paye toujours la mauvaise gouvernance qui est célébrée dans notre administration. Et donc, c'est ça la première base d'information de l'éléphant national. Et puis, bon, vous avez des gens qui ont des dossiers personnels, qui estiment que ça ne doit pas être traité dans un journal politisé ou bien trop partisan, mais il faut être dans un journal qui est suffisamment indépendant pour qu'on puisse dire la vérité. Et donc, c'est ceux-là qui viennent vers l'éléphant déchaîné et qui nous apportent ces informations. Souvent, c'est juste un mot, juste une petite information. Et puis, bon, nous investiguons et ça nous permet de découvrir de grands dossiers comme celui que nous avons traité récemment qui concerne le ministre Charles Dibé-Kofi. Et donc, c'est à partir de ces bases-là que nous avons l'information que nous publions. Et jusque-là, Dieu merci, ce sont des informations extrêmement crédibles pour lesquelles il n'y a jamais eu de démenti. Alors, nous avons voulu revenir pratiquement au grand dossier tout à l'heure, mais puisque vous avez mentionné pratiquement un monsieur, monsieur Diby, hein, les Ivoiriens voyant ce monsieur un grand bosseur, quelqu'un qui pense à l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire, n'ont jamais su que ce monsieur était aussi affairé, c'est jusqu'à ce que vous sortiez pratiquement un peu le dossier, hein. Alors, parlez-nous un peu de monsieur Charles Diby. Alors écoutez, il y a une chose sur laquelle effectivement les Ivoiriens sont unanimes. Monsieur Diby Kofi, effectivement, est un grand bosseur. Effectivement, il a rendu beaucoup de services à la Côte d'Ivoire dans des périodes assez troubles, hein, pendant la crise post-électorale. Je sais que c'est en 2000, non, pas la crise post-électorale, pendant la crise politico-militaire qu'il y a eu en 2002 jusqu'en 2000, en 2010 pratiquement, avec l'élection présidentielle. Monsieur Diby a été nommé ministre de l'économie, d'abord ministre délégué à l'économie au temps de Bani en 2005, puis confirmé après l'accord de Ouagadougou en 2007. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème, c'est un grand bosseur. Mais nous, ça nous a posé un problème à l'éléphant déchaîné de découvrir que ce grand bosseur soit aussi riche. Ce qui nous a interpellé en premier lieu, c'est de chercher à savoir qu'est-ce que ce monsieur faisait avant de rentrer dans la fonction publique. Et puis nous avons découvert que finalement, toute sa carrière a été faite dans la fonction publique. Voilà. Tout ce qu'il a eu comme travail à faire, c'est uniquement la fonction, d'abord au Trésor, où il a été caissier jusqu'à ce qu'il gravisse les échelons pour atteindre le poste de ministre de l'Économie. Et donc, ça nous a posé un problème. Qu'un fonctionnaire soit autant impliqué dans des affaires qui sont une sorte de conflit d'intérêts avec sa fonction. Et donc, ce qui nous a permis d'investiguer. Mais j'ai vous fait une révélation. Parce qu'aujourd'hui, on nous accuse d'avoir publié un dossier tout fait. Et que c'est des ennemis de M. Diby Kofi qui sont venus voir l'éléphant déchaîné pour publier ça. Non, c'est faux. L'affaire Diby Kofi remonte pratiquement à mars 2012. Lorsque nous travaillons sur le dossier à Nouloto, hein, qui avait passé un marché pour les ordures ménagères avec une entreprise fictive qu'on appelait Grunsol. D'ailleurs, ce dossier, l'éléphant déchaîné l'a révélé, jusqu'à ce que ça aboutisse à l'annulation du marché en question. Et donc, c'est lorsque nous travaillons sur ce dossier à Nouloto que nous avons découvert que le ministre Diby Kofi avait signé un contrat avec une entreprise belge qui faisait aussi dans le domaine de la salubrité. Et donc, pendant que nous traitions le dossier à Nouloto, il y avait ce pendant de ce dossier qui concernait Diby Kofi et pour lequel nous lui avons écrit, nous lui avons adressé un courrier pour l'interroger sur les relations qu'il avait avec cette entreprise belge. Il n'a jamais répondu à cette question. Et puis, je crois, 2 mois plus tard, quand l'affaire Anouloto a été résolue et que le marché a été annulé, nous avons encore réécrit à M. Diby Kofi, ça remonte, je crois, à mai 2012, pour qu'il s'explique sur ses relations avec cette entreprise belge. Là encore, il n'a pas répondu. Et donc, ne répondant pas, nous avons pris acte de ce qu'effectivement, il était impliqué dans la création d'un certain nombre d'entreprises qui servaient à faire des appels d'offres et à les rafler pendant que c'est l'État qui les lance. Et donc, nous avons commencé à investiguer. Ça a pris pratiquement 7 mois, 7 mois avant qu'on arrive à découvrir tout ce qu'on a publié aujourd'hui. Et donc, tout ce que les gens racontent, comme quoi c'est un dossier qui était tout fait et puis on nous envoyait parce que le gouvernement était dissous. Nous, on ne pouvait pas prévoir que le gouvernement allait être dissous le 14. Et donc, on a publié notre dossier parce qu'on était prêt maintenant à rendre public l'enquête qui a été menée sur 7 mois. Sinon, Diby Kofi, tout le monde reconnaît que c'est un grand bosseur, mais nous, ça nous pose un problème qu'un fonctionnaire puisse avoir autant d'appartements en France, autant d'hôtels, autant de sociétés, 22 sociétés qui participent aux appels d'offres lancés par l'État de Côte d'Ivoire, nous, ça nous a posé un problème de moralité. Voilà. Vous n'avez pas reçu pratiquement. On dit que vous avez reçu aussi des lettres de menaces et autres. Est-ce que vous n'avez pas reçu aussi cette pression aussi du PDCI-RDA, puisqu'à un moment donné, vous avez un peu travaillé avec le journal du PDCI-RDA. Vous n'avez pas reçu au moins cette pression de certaines personnes vous disant certainement de laisser tomber ce dossier? Ah non, si, si, si. Vous savez que
En Côte d'Ivoire, la presse est complètement inféodée aux partis politiques. Mais nous prenons le soin de ne pas fréquenter beaucoup les hommes politiques ivoiriens. Et donc, nous travaillons dans un cadre totalement professionnel. Et le dossier sur lequel nous travaillons, nous approchons uniquement les personnes qui sont concernées. Effectivement, le dossier de Bic Official, comme vous pouvez l'imaginer, était un très gros dossier. J'ai eu beaucoup de problèmes de confiance avant de le publier. J'ai pratiquement passé un mois à réfléchir sur cette affaire avant de la rendre publique. Parce qu'il s'agissait de Bic Official, qui est maintenant officiellement élu député du PDCI, qui va même être, qui va se présenter encore au conseil régional sous la bannière du PDCI. Donc, il est très proche de certaines de personnes que je connais. Et donc, effectivement, des pressions assez douces ont été exercées pour que le dossier ne soit pas publié. Mais moi, j'avais un problème personnel. C'est que j'avais ma crédibilité en jeu et puis j'avais la crédibilité de mon journal en jeu. Alors, devant cet enjeu-là, j'ai décidé de publier le dossier. Mais quand ça a été publié, alors là, ça a créé, comme vous pouvez l'imaginer, un déchaînement assez violent au point où, quand même, pratiquement pendant 48 heures, je n'ai pas dormi chez moi parce que je recevais tellement de menaces, pas directement de M. Déby Kofi, mais peut-être de personnes qui sont impliquées dans ces affaires et qui voyaient dans ces révélations-là un danger pour eux parce que peut-être que le ministre n'allait pas être reconduit à son poste, peut-être. Donc, prenant tout ça en compte, ils sont tous tombés sur nous et vraiment ça a été assez violent. Et il y a même des personnes que je connaissais depuis au moins 5-6 ans, mais pour lesquels j'ignorais le lien d'existence entre eux et puis le ministre Déby, mais qui m'ont dit des choses que j'ai trouvées extraordinaires par leur violence, par leur méchanceté. Mais bon, c'est aussi le métier que nous faisons. Quand tout cela arrive aussi, on assume quoi. D'accord, tout ceci arrive, vous assumez, voilà. Alors, l'autre question, enfin, avant certainement de revenir certainement aux auditeurs, hein, puisque nous savons qu'avec vous, on peut certainement parler un peu de tout et de rien. Vous êtes tellement cultivé, vous êtes tellement informé, vous apprenez très vite que je suis tellement un peu toujours surpris, hein, quand je vous écoute, voilà. Alors, avant de revenir certainement pratiquement aux autres dossiers que vous avez publiés, puis à la crise sociopolitique, comment vous avez vécu pratiquement un peu la chute du régime de Monsieur Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus surpris même d'ailleurs? Alors, écoutez, moi, je peux dire que j'ai été un peu au cœur de ce qui s'est passé, pas en prenant, j'allais dire, part au combat, mais en tant que journaliste, je peux dire que on a d'une certaine manière contribué à faire perdre l'élection à monsieur Gbagbo, parce que nous, notre rôle était de dire aux Ivoiriens la réalité du régime Gbagbo, parce que effectivement. Sous le prétexte de la crise, je veux dire de la guerre, les réfondateurs ont posé un certain nombre d'actes qui n'étaient pas dignes de ce qu'ils avaient promis aux Ivoiriens. Donc notre devoir en tant que éveilleur de conscience entre guillemets était de dire aux Ivoiriens ce qui se passait. C'était tout. Maintenant, après les élections, ce qui s'est passé, bah, vous savez, moi, le 18 février 2011, j'ai fait une contribution qui aujourd'hui à une sorte de relance, j'allais dire prémonitoire. J'ai écrit dans le Nouveau Réveil, et je l'ai écrit en tant que président de SOS Justice Côte d'Ivoire, pas en tant que travailleur du Nouveau Réveil. Une contribution dans laquelle je disais à M. Gbagbo de laisser le pouvoir. Peut-être qu'il a gagné, peut-être qu'il n'a pas gagné, je n'en savais rien. Mais moi, j'estimais qu'il n'avait pas à se rebeller contre le monde entier, parce qu'il ne pouvait pas gagner. Et que le seul résultat qu'il pouvait obtenir, c'était soit risquer sa propre vie à lui, ou bien risquer la vie de tous les Ivoiriens. Ça n'a pas manqué. Et le papier a été publié le 18 février, c'était le jour de quoi, la liberté la fête de la liberté du FPI. Et puis ce jour-là, vous savez quoi? C'est la police criminelle qui est venue me chercher. J'ai passé 8 heures à la police criminelle le 18 février 2011, où j'ai été interrogé par l'adjoint de M. Timouré, le procureur Diakité Mamadou, qui est aujourd'hui procureur, je crois, magistrat juge du siège à Boaké, nommé par M. Ouattara. Il m'a interrogé pendant 8 heures de temps. Et il voulait que je dise qui est le président de la Côte d'Ivoire. Vous voyez ça? Et j'ai passé 8 heures à la police criminelle. Je crois que c'est sur une intervention de quelqu'un à l'ambassade des États-Unis que j'ai été libéré. Et puis on m'a demandé de ne pas quitter Abidjan depuis le 18 février. Et puis le 8 mars 2011, pendant que j'étais au Nouveau Réveil au boulot, je reçois un coup de fil du fils du propriétaire de la maison que je louais, qui m'a dit, écoutez, grand frère, ne venez pas à la maison aujourd'hui parce que les miliciens sont chez vous à la maison. Oui. Voilà. Et je suis parti sans faire un tour chez moi à la maison. J'ai quitté Abidjan le 9, et c'est après, en mai 2011, que je suis revenu à Abidjan.
Et donc, nous avons tous risqué nos vies dans cette affaire. Et donc, moi, c'est un peu de l'extérieur que j'ai assisté à la chute de M. Gbagbo. Et puis, c'est un mois plus tard que je suis revenu à Abidjan. Voilà. Vous avez dit risquer votre vie aujourd'hui, hein, Michel Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Hein, est-ce qu'il y a une différence entre la manière dont le pays était géré sous Monsieur Laurent Gbagbo et Monsieur Alassane Dramane Ouattara? Ah oui, non, dans le style déjà, il y a une grande différence parce que ce sont deux cultures différentes. Hein. M. Ouattara est un économiste, tout le monde dit que c'est un économiste de renommée. M. Gbagbo Laurent est un historien et donc rien qu'à ce niveau déjà, il y a une façon de voir. Et puis au niveau même de l'accession des deux individus au pouvoir d'État, il y a une similitude parce que M. Gbagbo a pris le pouvoir en 2000 dans les conditions qu'il a qualifié lui-même de calamiteuse. M. Ouattara également arrive au pouvoir dans des conditions qu'on peut qualifier de chaotiques. Et puis bon, les deux arrivent, c'est dans l'urgence qu'il faut d'abord gouverner. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut corriger. La Côte d'Ivoire était dans une situation assez difficile en termes de circulation même des personnes et des biens. Il n'y avait pas d'infrastructure, il n'y avait plus de route, on ne pouvait plus circuler. Et donc, il y avait un certain nombre d'actions d'urgence à faire. Maintenant, une fois que cela a été fait, on revient maintenant à la gouvernance en tant que telle. Et à ce niveau aussi, on découvre que finalement, il n'y a pas beaucoup de changements en termes de bonne gouvernance, en termes d'injustices qui sont commises au quotidien. Et à ce niveau-là, le régime de M. Ouattara rejoint un peu celui de M. Gbagbo. Il n'y a pas tellement de différence. Alors, amis auditeurs, comme je le dis, hein, si vous voulez certainement savoir réellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec certainement des preuves à l'appui, hein, je vous conseille donc de lire ce journal, Le Nouveau Réveil, chaque fois. Vous pouvez aller Non, sur non, l'éléphant déchaîné. l'éléphant, excusez-moi, l'éléphant déchaîné, excusez-moi, voilà, Voilà. l'éléphant déchaîné, Voilà. chaque semaine, hein, c'est seulement 50 cents. 50 cents. Alors, non seulement vous allez avoir donc la meilleure information, et ensuite vous allez pouvoir certainement contribuer hein, au travail que fait donc notre frère Monsieur Assalé Timoko. D'ailleurs, il nous a promis, avec en fonction de son temps, de nous entretenir pratiquement tous les samedis pour nous faire un peu quelques points de la situation un peu sociopolitique. Donc, nous demandons certainement aux auditeurs. D'ailleurs, nous allons avoir le temps donc de faire la promotion certainement donc de ce journal qui fait vraiment vraiment la fierté donc des Ivoiriens. Alors, revenons certainement aussi à notre segment hein, par rapport un peu à la chute de Monsieur Aoussou. Hein. On a raconté beaucoup de choses dans les journaux. Alors, dites-nous réellement, vous avez déjà prédit cela. Vous avez dit que Monsieur Alassane Dramane Ouattara, je crois en guillemets, voulait donc la tête donc de trois ministres, dont Monsieur Aoussou. Hein. Alors, dites-nous réellement pourquoi Monsieur Alassane Dramane Ouattara voulait la tête de Monsieur Aoussou. Alors, là-dessus, je vais être assez clair. Il y a pratiquement 2 semaines ou 3 semaines, nous avions déjà annoncé que M. Ouattara ne voulait plus de 3 ministres. Sur les 3 que nous avons cités, il y a seulement un qui est resté à son poste pour des raisons effectivement géopolitiques, c'est le ministre à la Akua Oromi. Mais Dagobert Banzio, que nous avons cité, est parti. Et puis le premier ministre Aoussou Jeannot aussi est parti. Mais il faut dire que M. Ouattara n'a jamais voulu de M. Aoussou Jeannot comme premier ministre. Son cheval a été toujours d'un camp qu'il connaît très bien, qui a été ministre quand il était encore le premier ministre de Côte d'Ivoire. Et donc, dès le début, les deux hommes ne s'entendaient pas. Parce que c'est vrai, M. Aoussou a été son directeur de cabinet au deuxième tour de l'élection présidentielle. M. Aoussou lui-même l'a dit avant-hier, il appartient à une communauté qui est celle des Baoulés, qui a massivement voté à l'appel de M. Bédié. Pour M. Alassane Ouattara. Et donc, c'est cet aspect qui, j'allais dire, a pesé dans le choix du Premier ministre lorsque M. Ouattara a voulu tenir sa promesse de donner ce poste au PDCI. Mais l'homme n'avait jamais voulu d'Aoussou Jeannot comme Premier ministre. Mais il fallait d'abord sauver les apparences. Et puis, au bout de 8 mois de collaboration, c'était devenu maintenant intenable entre les deux. Ça n'allait pas du tout. Et donc, nous savions que M. Ouattara avait pris la résolution de ne plus reconduire M. Aoussou, mais il cherchait l'occasion de le virer entre guillemets de son poste. Et donc, c'est ce que nous avons annoncé et ça n'a pas manqué. Aujourd'hui, les résultats sont là. Donc la raison, hein, est-ce que selon vous la raison tenait la route, hein? La raison de quoi? De la dissolution du gouvernement ou bien du Oui. départ de M. Aoussou Jeannot? Non, de la dissolution du gouvernement. Non, 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 ça c'était juste un prétexte. Moi, je peux même vous dire comment ça s'est passé. Après le vote en commission,
C'est Madame Matoluma Cissé, qui était ministre délégué à la justice, qui présentait ce projet de loi avec l'ex-ministre de la famille, Madame Raymond Kofi Goudou. Et lorsque les gens du PDCI ont voulu faire un amendement, qui d'ailleurs n'est pas passé, et que le vote, la loi a été votée avec une courte majorité de seulement une voix de différence, c'est Madame Matoluma Cissé et le secrétaire général du palais intérim du RDM, M. Amadou Soumaoro, qui ont couru pour aller chez monsieur, au domicile du président de la République pour aller lui faire le point de ce qui s'était passé pendant le vote en commission, en disant que Didier Madi a raconté plein de choses, qu'il a insulté le président, et ainsi de suite. Et puis le président de la République a dit, ah bon, ah bon, d'accord, donc on va voir qui est le chef alors. C'est comme ça qu'il a dissous le gouvernement, sans autre forme de procès. Et voilà, c'était la vraie, voilà comment les choses sont passées. Le lendemain, quand ils sont arrivés en conseil des ministres, comme d'habitude, le premier ministre Aoussou est monté pour le saluer, avant qu'ils ne descendent ensemble. Et c'est là qu'il a dit au premier ministre, écoutez, je vais dissoudre le gouvernement. Ça a duré 1 minute. Il a dit au premier ministre, je vais dissoudre le gouvernement. Et puis bon, ils sont allés en séance. Et quand il est arrivé, il a annoncé la dissolution du gouvernement. Personne n'était informé. La décision a été prise, j'allais dire, sur un coup de tête. Voilà. Wow, un coup de tête. Ouais. On a parlé un peu quelquefois de l'incompétence de M. Aoussou, alors que voilà quelqu'un qui était un brillant avocat. On nous dit aujourd'hui qu'il était incompétent. Alors, selon vous, comment la gestion de M. Aoussou pendant 8 mois, sans moyens, comment vous jugez cela? Écoutez, je vais vous donner deux choses, deux seuls exemples qui vont me permettre de savoir si Aoussou pouvait réussir quoi que ce soit dans ce gouvernement. D'abord, il faut reconnaître, faut te dire que nous sommes dans un régime présidentiel, voire même présidentialiste, où tout le pouvoir est concentré dans la main du président de la République. Le premier ministre n'est qu'un coordonnateur de l'action gouvernementale. Et donc, il ne gère rien en réalité. Mais quand vous ajoutez à ça le fait que, dans le contexte actuel, on a tout fait pour que le premier ministre Aoussou ne réussisse pas, vous allez comprendre. Je vais vous donner deux exemples. Le premier ministre Aoussou a passé 8 mois à la primature. Il n'a jamais eu droit à la voiture de fonction du premier ministre de Côte d'Ivoire. Première chose. Wow. Deuxième chose, oui, parce que M. Sorodium est parti à la voiture du Premier ministre de Côte d'Ivoire. Personne n'a pu avoir la force de lui demander de ramener la voiture. M. Aoussou a passé 8 mois à rouler dans une voiture qui appartient à un de ses cabinets. Première chose. Deuxième chose, quand M. Sorodium était le Premier ministre, il avait droit à un budget de fonctionnement de 500 millions par mois. M. Aoussou n'avait droit qu'à 100 millions. Ces deux exemples suffisent pour vous faire comprendre dans quel environnement il a évolué et pourquoi il ne pouvait pas réussir. Voilà. Wow. Ses collaborateurs qu'il nommait, ils devaient d'abord recueillir l'avis du palais présidentiel. Vous savez qu'il a nommé un journaliste comme André Sylvain Konan comme son porte-parole. C'est ça. Ça n'a jamais été entériné par la présidente de la République. Voilà. Voilà. Au Voilà. point où le Sylvain Konan a passé 8 mois à la primature sans voiture. Il allait au travail en taxi. Porte-parole l'a primature. Alors, Parce que l'ancien porte-parole est parti avec la voiture de l'ancien porte-parole l'a primature. Alors, quand vous avez ces exemples, vous comprenez tout ce que M. Aoussou, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il pouvait rien faire du tout. Il n'avait aucun pouvoir, il n'avait aucune espèce d'autorité pour gérer quoi que ce soit en tant que Premier ministre. Et donc, quand on ne peut pas s'étonner de ce que on dit qu'il n'est pas compétent. Quelle compétence vous voulez avoir quand un individu n'a que 100 millions pour gérer son cabinet, payer tout le travail de la primature et s'occuper de la Côte d'Ivoire? C'est pas possible. Wow. Ouais. Voilà, enfin, je suis tellement d'accord. Nous allons essayer de revenir pratiquement un peu. Alors, qui est donc un peu le grand gagnant certainement de ce remaniement ministériel, hein? Alors, je vais vous expliquer. Nous avons fait une petite enquête et puis nous allons permettre certainement de commenter un peu cela. Alors, nous savons que pour nous, hein, Monsieur Soro Guillaume aujourd'hui détient pratiquement tous les pouvoirs. D'abord, le pouvoir législatif, hein, législatif, j'allais dire, hein, est dans la main de Monsieur Soro Guillaume. Le pouvoir judiciaire est dans la main de son région, dans la mesure où M. Koné Mamadou, qui est donc le président de la Cour suprême, hein, était donc l'ancien secrétaire général de la rébellion. Et C'est ensuite, ça. M. Koné Nyonema aussi, qui est donc un proche de M. Soro Guillaume aussi dans la rébellion, est aussi le garde des Sceaux. Donc, c'est-à-dire qu'il détient maintenant le pouvoir judiciaire. Alors, vous C'est pouvez ça. le pouvoir exécutif, c'est M. Ouattara, avec un gouvernement aussi pour M. Soro. On peut dire M. Soro contrôle aussi l'exécutif. Au niveau, donc, voilà les trois pouvoirs. Et les deux autres pouvoirs que nous avons certainement liés, hein, c'est au niveau, donc, la communication qui détient, que Mme Afosi Bamba, qui est donc
porte-parole donc de la rébellion, qui est donc à la communication. Au niveau donc de l'armée, pour mettre sûr que tout se passera très bien dans le pays, hein, c'est Monsieur Soumaïla Bakayoko, qui est donc chef, l'ancien chef d'état-major donc de la rébellion, et Monsieur Paul Koffi Koffi, qui était donc le bras droit donc Monsieur Soro Guillaume. Donc apparemment, tous les pouvoirs sont dans la main Monsieur Soro Guillaume aujourd'hui. Ah ben, vous l'avez dit, j'ai même pas de débat dessus. Ce sont des faits, ce sont même pas des commentaires. Ce sont des faits que vous évoquez là. Et donc, quand on prend tout ça, qu'on met dans la balance, on se dit qu'aujourd'hui, le vrai patron de la Côte d'Ivoire, c'est M. Soro Guillaume. Donc, il n'y a pas de commentaire qu'on puisse faire dessus. Voilà. Alors, nous avons beaucoup de questions. Nous allons revenir tout à l'heure. Mais nous allons permettre certainement à nos panels hein, de vous poser quelques questions. Hein. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Comme je le dis à mes auditeurs, vous voulez avoir exactement l'information vraie en Côte d'Ivoire. Écoutez, M. Assalé Timoko, lisez toujours le journal L'éléphant déchaîné. L'éléphant qui se déchaîne tout le temps, pratiquement. Vous avez les meilleures informations. D'ailleurs, comme je l'ai dit en association, nous allons certainement l'avoir le plus souvent, donc les samedis, hein, pour faire un peu le point donc de la situation un peu sociopolitique donc, en Côte d'Ivoire, ce qui veut dire que vous allez avoir donc l'information vraie. Alors, je vais aller du côté donc M. Jean-Bazine Guetta, hein, qui est donc un grand admirateur de M. Alassane Dramane Ouattara, j'allais dire du RHDP, hein. Alors, M. Nguetta est aussi un grand admirateur aussi de M. Assadek Tchoumokour Antoine. Alors, M. Nguetta, allez-y pour certainement votre question pour M. Assadek Tchoumokour Antoine. Oui, bonsoir Jacques Roger, bonsoir à M. Timoko Assalé Antoine. Je voulais surtout vous dire vraiment merci pour le travail que vous faites. Je pense que à travers ce que vous faites à l'éléphant d'Afrique, on peut encore dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a une certaine jeunesse qui a de la vision et que bon on peut qui peut inspirer encore des gens qui pensent que il faut pouvoir je veux dire converger nos forces pour pouvoir apporter un certain nombre de changements parce que vous le savez vous avez été jeté en prison permettez-moi le terme pendant je crois 12 mois sous le régime de M. Laurent Gbagbo mais cela ne vous a pas fébrilisé et je pense que vous êtes sorti de là regaillardi et donc aujourd'hui vous faites vraiment un travail qui est reconnu jusque même aux États-Unis ici et donc vraiment je voulais vous féliciter pour cela. Pour revenir au cas de Monsieur Aoussou, Jacques et moi on avait déjà échangé en ce qui concerne Monsieur Aoussou sur Facebook et ce qui m'étonne surtout au regard des faits que vous avez présentés tout à l'heure, un monsieur qui a évolué dans un environnement aussi difficile, dans un contexte vraiment aussi hostile. Qu'est-ce qui empêchait Monsieur Aoussou de démissionner parce que il savait qu'il ne pouvait pas réussir alors que au finish il allait être comptable des actions du gouvernement. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas démissionné et qu'il est resté dans cet environnement aussi hostile pendant 8 mois jusqu'à ce qu'aujourd'hui bon on le vire du gouvernement pratiquement je disais à Jacques démissionner aussi ça fait partie de la démocratie. Pourquoi est-ce que les Africains n'arrivent pas à démissionner? Est-ce que vous pouvez commenter un peu cela, M. Assalé Timoko? Oui, tout à fait. C'est une très bonne question. Pourquoi M. Aoussou n'a pas démissionné? Je pense qu'on a la réponse dans ce qui s'est passé avec le vote de la loi sur le mariage. Le PDCI, dans un premier temps, a dit non en commission. Et puis, il y a eu la discussion du gouvernement. On a dit que c'est parce qu'ils ont dit non qu'ils ont dissous le gouvernement, même si c'était le prétexte pour justifier un acte qui a été un acte de colère. Et puis, finalement, en plénière, alors que M. Didier Madi, M. Wassana Konan, qui est le président du groupe parlementaire PDCI, avait déjà dit qu'un député n'est pas un béni, oui, et que même sous Faubourg à l'époque, les députés disaient non quand ça n'arrangeait pas les Ivoiriens, et que le PDCI allait maintenir son amendement. Et puis, on est arrivé au vote, vous avez vu que le PDCI s'est, entre guillemets, déculotté et a voté massivement pour que cette loi passe. Mais vous avez là la raison pour laquelle M. Aoussou a resté au gouvernement pendant 8 mois quand même, il savait qu'il n'avait aucun pouvoir. Parce qu'il il représentait une sorte d'intermède entre le président de la République et le président du PDCI. Dans le cas du RHDP, tout est mis en œuvre pour que personne n'assume un éventuel échec de M. Alassane Ouattara. Vous savez que il y a 2 jours de cela, M. Bedi a réuni tous les députés du PDCI. Il a passé le message de ne rien faire pour empêcher M. Ouattara de réaliser son programme, pour ne pas que demain on dise que le PDCI est à la barre de l'échec de M. Alassane Ouattara, alors que le PDCI l'a soutenu pour être président. Donc, c'est ce qui explique en premier fond le fait que M. Aoussou soit resté pendant 8 mois, quand bien même il savait qu'il n'avait pas les moyens de réussir sa mission. C'est dans le cadre du RHDP, on a dit
Vous êtes, tu es en mission pour le PDCI. Quoi qu'il va se passer, tant que le Bedin ne te demande pas de quitter, tu ne bouges pas. Vous voyez? Et donc, dans ce cadre-là, par respect pour le parti qui l'a envoyé en mission, il n'a pas pu démissionner. Et même quand M. Ouattara a voulu le remplacer, vous savez très bien que M. Bedin s'est encore opposé à ça. Il a dit qu'il faut qu'il reste. Il faut qu'il reste le Premier ministre. Et puis bon, ils se sont pas entendus, finalement, il a changé. Mais il ne pouvait pas démissionner parce qu'il n'était pas là-bas en son nom. Il était là au nom du PDCI et c'est le PDCI qui devait lui demander de se retirer avant qu'il ne se retire. Il y a monsieur Chose, je vais vous donner un autre exemple. Il y a le cas de monsieur Patrick Hachi qui a été reconduit ministre de l'infrastructure économique. Mais nous l'avons révélé, le Défenseur national a déjà révélé ça il y a au moins 4 mois de cela, que ce monsieur-là, il ne gère absolument rien dans son ministère. Parce que toutes les structures qui sont sous sa tutelle ont été arrachées et confiées au ministre Gaoussou Touré du transport. Ça, c'est le téléphone qui a révélé tout ça. Et donc, M. Patrick Hachi, aujourd'hui, il ne gère absolument rien. Pourtant, on l'a reconduit. Et pourquoi on l'a reconduit? Parce que M. Bédé a dit, tu restes. Tu restes au gouvernement. Et donc, il reste au gouvernement, il ne peut pas démissionner. Voilà un peu les pièges dans lesquels les gens se sont mis et pour lesquels ils sont en train tous de se discréditer alors qu'ils pouvaient démissionner et puis se crédibiliser vis-à-vis du peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Monsieur Nguetta, allez-y pour votre deuxième Oui, question. alors, ouais, oui, merci vraiment, Monsieur Assalé, pour cette précision. Autre chose, Jacques, je peux poser une question? Une Allez-y, autre? allez-y. Voilà, Allez-y. Monsieur Assalé, j'ai lu quelque part dans un journal que pour pouvoir faire passer la loi sur le mariage, Monsieur Ouattara aurait soudoyé un certain nombre de députés par le truchement de Soro Guillaume. On va même dire jusqu'à dire que chaque député aurait perçu la somme de 2 millions de francs CFA. Est-ce que vous avez connaissance de ce que, bon, un deal se serait passé au niveau de l'Assemblée nationale? Ah non, 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 nous n'avons pas connaissance de ce que M. Ouattara aurait soudoyé des députés pour qu'ils passent, pour qu'ils votent cette loi. J'allais même dire s'il l'a fait, c'est un acte inutile parce qu'il n'en a même pas besoin. Non, non, je ne suis pas sûr que cette information soit vraie. Les gens, vous savez, aujourd'hui, il y a la polémique avec la députée Yasmine Aoyen qui a voté non contre cette loi. Parce que au cours de la réunion que les députés du PDCI ont eue avec le Premier ministre Awoussou, la décision avait été prise de maintenir le vote qui avait été fait en commission. Curieusement, arrivé au niveau de la plénière, les gens ont voté, les gens ont appelé à voter pour cette loi. Mais ce qui s'est passé, c'est que le PDCI a été menacé. Et ça, c'est la vérité. On leur a dit, ou vous votez cette loi, ou vous quittez le gouvernement. Et comme les gens, ils savaient, ils ont fait combien d'années? Depuis 99, ils ont perdu le pouvoir. Ils ont, nous le disons avec un peu d'ironie, ils ont perdu le pouvoir depuis 99. Ils ont un certain nombre de choses à reconstruire, un certain nombre de biens à récupérer. Et donc, ils n'ont aucun intérêt aujourd'hui à rester encore au chômage. Et donc, quand ils ont mis dans la balance le fait que leur présence au gouvernement leur permet certainement de renflouer les caisses de leur parti par rapport aux cotisations que les ministres font, automatiquement, ils ont renversé leur veste. Et donc, ceci explique qu'ils se soient retournés pour venir voter cette loi. Je ne suis pas sûr qu'ils aient perçu de l'argent pour le faire. Il y avait même pas, c'était même pas nécessaire à partir du moment où on les tenait par les postes au gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur Nguetta. Je sais que vous avez beaucoup de questions. On va revenir à vous tout à l'heure. Alors, puisqu'on parle du PDCI-RDA, je vais aller du côté donc, de Madame Nioua, grande militante du PDCI-RDA. Alors, Madame Nioua, vous avez donc Monsieur Assadé Thiboko Antoine. Allez-y pour vos deux questions. Merci bien, Jacques. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, chers frères Assadé Thiboko. Bonsoir, Madame. Et toutes mes félicitations pour ton courage, ta détermination et ton sens de la dignité humaine. Parce que je rejoins l'ambassadeur Rouyen pour les qualificatifs qu'il t'a adressés, parce que rares sont les jeunes de ta génération qui auraient succombé à la tentation des billets de banque pour se mouiller. Et malgré tout ce que tu as vécu, jusque-là, tu tiens le coup et c'est ce qui m'amène à t'admirer personnellement. Et je lis beaucoup Merci de beaucoup. tes articles et je pense qu'on fera l'effort de prendre des abonnements pour que ton journal puisse tenir. Merci beaucoup. Cela m'amène de rien, cher frère. Cela m'amène à poser la question de savoir comment, en tant que témoin oculaire, parce que sur le terrain, tu vois
l'avenir de la Côte d'Ivoire sous le gouvernement Ouattara. Où allons-nous avec ce gouvernement Ouattara? Voilà le sens de ma question. Et ma deuxième question sera relative au PDCI. Mais je vous donne le temps de répondre à celle-là d'abord. Alors, où va la Côte d'Ivoire? Vous posez une question là qui est extrêmement importante. C'est aussi une question que nous nous posons. Vous savez, on a placé beaucoup d'espoir à M. Alassane Ouattara. Et je pense encore aujourd'hui qu'il a les capacités quand même d'apporter beaucoup de choses à ce pays et qu'il a vraiment envie d'apporter des choses à ce pays. Mais la préoccupation que nous avons, c'est que nous avons l'impression que ce monsieur ne connaît pas vraiment les hommes avec lesquels il travaille. Et c'est ça qui est la grande inquiétude aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On a complètement l'impression qu'il est totalement pris en otage par le parti qui l'a présenté aux élections, c'est-à-dire le RDF, qui a une vision qui, ma foi, est une vision que personne ne comprend. C'est-à-dire que pour eux, la politique consiste à s'accaparer de tout et à ne rien laisser aux autres. Et M. Ouattara, dans ce cadre-là, nous ne comprenons pas qu'il soit aussi amorphe, le terme nous l'utilisons plus dans nos journaux, il soit aussi amorphe devant les actes antidémocratiques qui sont posés par des gens qui sont proches de lui. Et donc la question que vous posez, savoir où va la Côte d'Ivoire, est assez importante parce que pour nous, le premier chantier de que M. Ouattara devait réussir, c'était celui de la réconciliation. Aujourd'hui, la commission qui a été mise en place a pratiquement 2 ans d'existence et dans les faits, cette commission n'a pas pu déployer son programme de travail parce que les moyens ne lui ont pas été donnés. Sans oublier les coups bas qui lui sont faits. Ça me permet d'embrayer un peu sur le cadre du dialogue républicain qui a été mis en place par l'ex-premier ministre, qui était un bon cadre de concertation, mais qui a été totalement torpillé par le RDA et qui a fait que ça n'a pas prospéré. Et donc, quand on voit aujourd'hui que les Ivoiriens restent encore divisés, si vous avez suivi la tournée que les artistes ivoiriens ont faite récemment dans un certain nombre de villes de Côte d'Ivoire, ils ont fait des concerts, ça a été financé, je crois, à presque 1 milliard par le président de la République. Mais tous les artistes, quand ils ont été interrogés, les Ivoiriens nous ont dit, nous ne pouvons pas fêter parce que nous avons l'impression que la Côte d'Ivoire appartient à un seul camp. Et la Côte d'Ivoire n'est pas la Côte d'Ivoire pour tous les Ivoiriens. Et comment voulez-vous qu'on se réconcilie quand tous les jours que Dieu fait, un groupe de personnes sont poursuivis, et sont leurs droits sont violés et qu'il ne se passe rien. Ça, les artistes sont revenus dessus tous les jours à la télévision au journal des 20 heures. Et ça nous permet de comprendre que finalement, au bout de 2 ans de présence de M. Ouattara à la Côte d'Ivoire, le vrai chantier de la réconciliation est encore à l'état initial et que on n'avance pas beaucoup. Donc, on peut toujours s'interroger, mais où va la Côte d'Ivoire? Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ne regardent pas dans la même direction. Et c'est cela qui est extrêmement inquiétant. Maintenant, en termes même de gouvernabilité, en termes de gouvernance de la Côte d'Ivoire, là également, on s'interroge parce que les valeurs que M. Ouattara a défendues quand il était le premier ministre de Feu Félix Foubagny, la rigueur, la condamnation de tout ce qui est gaspillage de l'argent public, des biens publics, aujourd'hui, c'est plus ça du tout. On se demande bien, est-ce qu'on a encore affaire au même individu que nous avons vu dans les années 90? Madame Noa, la deuxième question. Oui, ma deuxième question relative au PDCI, et je voudrais remercier le frère Assalé Tchimoko pour son commentaire de tout à l'heure par rapport à l'incapacité d'action de notre frère Aoussou. Cela m'amène à dire, surtout du PDCI, des États-Unis qui ne comprennent pas que le PDCI est pris en otage dans ce gouvernement, dans cette alliance de RHDP. Et le frère Assalé l'a dit, les gens sont restés longtemps en dehors du pouvoir et aujourd'hui, Bédié se sert d'eux pour renflouer ses caisses et eux, au passage, permettent de se renflouer. Ça, ce n'est pas la vision du feu Boigny pour son parti. Ça, c'est votre commentaire. Non, mon commentaire, c'est ça. Ah, ok, d'accord. Mon commentaire, c'est que moi, je m'opposerai toujours à cette pratique au sein de mon parti. Même si je dois être la Saint-Jean-Baptiste criant dans les déserts, je continuerai à crier afin que on sorte des griffes de cet engrenage-là. Parce que ça, c'est pas le PDCI. Merci bien, cher frère Salé. Parce que vous aviez déjà expliqué, je ne fais que commenter. Je n'ai pas de questions. Merci bien. Voilà. Alors, merci beaucoup.
un commentaire. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce commentaire ou bien prendre une autre personne, Ah non, non, j'ai rien d'ajouter à ce commentaire. C'est une militante du PDCI qui s'exprime, elle a le droit de dire ce qu'elle pense. Voilà, ok, d'accord. Alors, je vais aller donc du côté donc du pasteur Raka, hein? Pasteur Raka, depuis l'État de Maryland. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, Monsieur Jacques. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Salé. En tout cas, que Dieu vous bénisse Bonsoir. pour votre franchise et puis pour la vérité de tous les traitements d'information. Parce que lorsqu'on est mal informé, parfois on devient dangereux. Mais je voudrais vraiment vous poser une question très simple. Vous savez, aujourd'hui, la situation dans laquelle la Côte d'Ivoire se trouve, on parle vraiment de post-électorale, crise de post-électorale. Mais concrètement, je ne sais pas si vous l'avez fait, ou si du moins vous y pensez y faire. On n'a jamais reçu aucune information réelle sur vraiment ce qui s'est passé pendant les élections. Est-ce que vraiment les résultats qui ont été proclamés par la CE, entérinés par la Constitution, est-ce que réellement vous avez enquêté sur cela, est-ce que vous avez investigué sur cela en tant que journaliste du terrain? Quelle est réellement votre approche, votre compréhension de la situation? Vraiment, on veut savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé. En somme, qui a gagné réellement les élections, Monsieur Azali Oui, Kibuko Antoine? oui, voilà. Écoutez, c'est une question assez difficile à laquelle je ne suis pas sûr de pouvoir trouver une réponse satisfaisante. Ce que je peux dire, puisque cette question m'a été aussi très souvent posée par des lecteurs qui voulaient savoir si est-ce que l'éléphant de Chanel a pris le temps d'investiguer sur l'élection de 2010. La réponse que nous donnons toujours, nous les renvoyons aux commentaires que nous avons faits lorsque les élections législatives ont été organisées par la CEI, je crois que c'était en décembre 2011. Et à partir de là, nous avons fait un certain nombre de critiques sur la CEI. Comme nous avons dit, titré un jour, la CEI est une structure de magouille. Ça, c'est l'éléphant de Chanel a titré ça lorsque il y a eu les élections législatives. À partir de ce moment-là, je pense qu'un certain nombre d'Ivoiriens ont compris que c'est vrai, ce qui s'est passé en 2010 à la présidentielle, il y a eu tellement de violences, tellement de commentaires souvent outrageusement mensongers qui ont été distillés dans la population ivoirienne qu'aujourd'hui toutes les visions sont brouillées. Mais nous, à partir de l'élection législative, nous avons dit cette commission électorale indépendante est un danger pour la Côte d'Ivoire. Ça, nous l'avons écrit. Maintenant, est-ce qu'il faut revenir sur. Qui a gagné l'élection de 2010, 2010, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on puisse trouver quelqu'un qui ait suffisamment assez d'éléments pour affirmer que tel parti a gagné, tel parti a gagné. Et donc, je ne vais pas vraiment me hasarder sur la question, mais nous disons, ce que nous disons, c'est que la CEI actuelle que nous avons n'est pas une structure crédible. Ça, nous l'avons écrit, parce que nous avions enquêté, nous avons découvert qu'elle a contribué à faire frauder pendant l'élection législative et elle a contribué à fausser le jeu. Au niveau des élections législatives. Et ça, nous l'avons écrit, et je pense que ça peut être notre position par rapport à ce qui s'est passé en 2010. Voilà. Alors, merci beaucoup. Hein. Voilà, bizarrement, on nous signale que nous avons un petit problème au niveau donc de la radio. Hein. J'espère que c'est pas la présence de Monsieur Assalé Thiboko Antoine. Hein. Voilà. D'accord. Nous allons voir. En tout cas, la réponse est satisfaisante. Ça veut dire beaucoup de choses. Ouais. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Pasteur Aka. Alors, nous allons aller du côté donc d'un membre du RDR, hein, Monsieur Diomandé Moussa. Bonsoir, Monsieur Diomandé. Hein. Oui, bonsoir, M. Jean Cruzet. Bonsoir, oui. Oui, bonsoir au frère Salé. Bonsoir. Voilà, merci pour le travail que vous faites au niveau du traitement de l'information. La question concernait un peu la dernière question à laquelle vous avez essayé de répondre tout à l'heure. Vous aviez fait allusion au fait que vous aviez été conduit j'allais dire à la police, je crois bien, ou au palais de la justice pour Oui. dire qui était le président à l'époque. Alors, si vous aviez été malmené et tout, cela veut dire que quelque part, vous n'avez pas voulu dire que celui qui vous avait envoyé, du moins le président qui vous avait envoyé ce policier, était le président, sinon vous n'allez pas être maltraité. Donc, vous aviez essayé donc de répondre.
que on peut difficilement s'hasarder. Bon, donc c'est une question assez importante pour nous. Mais bon, puisque vous avez déjà répondu, on peut concevoir que vous avez du recul par rapport au fonctionnement de la CEI. Mais ce que je voudrais dire ici, cher frère, c'est que bon, la CEI, au niveau de la députation, la composition ou le fonctionnement, était, à mon avis, un peu différente par rapport au présidentiel, où les résultats devaient aller, je crois, vous pouvez bien nous informer là-dessus. Tout à fait. Voilà, dans différents secteurs qui devraient, eux, avoir, n'est-ce pas, des résultats plus ou moins conformes. C'est ça. Voilà, ok. Donc, je vais donc quitter ce commentaire pour vous demander, sincèrement, de voir si vous pouvez quand même faire un parallèle. Parallèle entre la Côte d'Ivoire de M. Laurent Gbagbo, qui est arrivé de façon calamiteuse, vous avez dit, et la Côte d'Ivoire de M. Ouattara, qui est arrivé également de façon calamiteuse, au niveau, j'allais dire, du résultat économique ou alors du résultat du bonheur pour les Ivoiriens dans les années à venir. Est-ce que l'Ivoirien actuel, du point de vue gestion économique, pourrait regretter M. Laurent Gbagbo, qui a été aussi un président de la République de Côte d'Ivoire et qui a passé, pourquoi pas, une dizaine d'années. Est-ce que aujourd'hui, malgré tout le coup qui se passe, l'Ivoirien devrait regretter le passage du Front populaire ivoirien à la tête de l'État ivoirien? Et vous avez parlé aussi du RDR qui pense pouvoir s'accaparer tout et vous ne comprenez pas. Est-ce que cette critique se limite seulement au RDR dans la mesure où vous aviez parlé même de M. Diby, qui n'est pas du RDR, mais bon, qui présente certainement le même stigmate que le RDR apparemment. Cher Salé. Ok, je pense que je vais essayer d'être le plus précis possible. Pour ce qui est de la comparaison qu'on pourrait faire entre le régime de M. Gbagbo et celui de M. Ouattara, qui d'ailleurs n'est qu'à moins de 2 ans d'exercice du pouvoir, comme M. Gbagbo a fait 10 ans, donc en termes même de durée, il n'y a pas de comparaison à faire. Maintenant, est-ce que les Ivoiriens, après 2 ans de présence de M. Ouattara à la tête du pays, peuvent regretter Monsieur Laurent Gbagbo? Effectivement, les Ivoiriens, pas les Ivoiriens, je dis les militants, les personnes qui sont proches de Monsieur Laurent Gbagbo, si vous leur posez cette question, ils vous diront que ils ne voient rien du tout en Côte d'Ivoire depuis que Monsieur Ouattara au pouvoir. Ils ne voient rien du tout et que Monsieur Gbagbo était le meilleur qui travaille pour la Côte d'Ivoire. Ça, les pro-Gbagbo pourront vous dire ça. Quand vous allez prendre les pro-RDR, enfin les pro-RADP, ils vous diront que Monsieur Ouattara est en train de faire un bon travail, la Côte d'Ivoire avance, ainsi de suite. Maintenant, si on revient au générique ivoirien, je pense que si on est honnête, on doit pouvoir reconnaître que au bout de 2 ans de présence de M. Ouattara au pouvoir, il y a un certain nombre de secteurs dans lesquels des efforts considérables ont été faits. J'en veux seulement pour preuve le programme présidentiel d'urgence, qui a été quand même un outil essentiel, qui a permis de recadrer un certain nombre d'activités, un certain nombre de secteurs dans lesquels on ne pouvait pas du tout être fier quand on est ivoirien. Et donc depuis 2 ans, le reprofilage des routes, un certain nombre de... À Cocody, par exemple, vous savez qu'on n'avait pas pratiquement de l'eau. Il suffit un temps où on n'avait même pas accès à l'eau potable parce que il n'y avait jamais de l'eau. Et puis aujourd'hui, tout ça a été, je pense que ça a été corrigé. Et donc ça fonctionne mieux, même si à Abidjan encore, il y a des quartiers où on n'a pas encore de l'eau potable. Mais beaucoup d'efforts ont été faits. À ce niveau déjà, je pense qu'il y a une comparaison qu'on puisse faire avec M. Laurent Gbagbo, parce qu'à l'époque, il faut reconnaître que rien n'était fait pour régler ce problème. Maintenant, au niveau de la gouvernance, est-ce que les Ivoiriens devraient regretter M. Laurent Gbagbo? Je pense que là également, les pro-RDL, les pro-Ouattara, les pro-Gbagbo pourront dire, mais en tant qu'Ivoirien, en tant que quelqu'un qui raisonne et qui est assez objectif, je pourrais dire que avec Monsieur Ouattara, on avait quand même vu quelques bons signes au départ, mais là, on commence à être inquiété, parce que les choses qu'on a dénoncées sous Monsieur Laurent Gbagbo, c'est-à-dire l'affairisme des dirigeants,
aujourd'hui à une vitesse, j'allais dire, exponentielle. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Le téléphone de ne cesse depuis pratiquement 12 mois de révéler pratiquement chaque mois un scandale. Et il n'est jamais démenti. Les scandales ne sont jamais démentis parce que c'est des choses qui sont vraies. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que M. Ouattara devrait corriger les choses pour ne pas que les gens disent qu'on retourne encore à l'époque de Laurent Gbagbo. Vous savez, M. Gbagbo aussi n'a pas été forcément un mauvais président. Il y a un certain nombre de secteurs aussi dans lesquels il a beaucoup apporté à la Côte d'Ivoire. Mais c'est à chacun de juger en fonction de sa sensibilité. Mais moi, en tant que journaliste, je me considère comme quelqu'un d'assez objectif. Je me dis, il n'y a pas vraiment de comparaison à faire entre quelqu'un qui a passé 10 ans au pouvoir et quelqu'un qui n'a que aujourd'hui 2 ans d'exercice de pouvoir. Et donc, il y a des secteurs dans lesquels il y a eu des évolutions, mais des secteurs dans lesquels aussi également, on dit, il est en train de faire la même chose comme monsieur Laurent Gbagbo. Et donc, c'est ce que je peux dire par rapport à cette question. Maintenant, pour en revenir au RDR qui s'accaparerait un certain nombre de choses en Côte d'Ivoire, effectivement, nous, on a cette spécificité de ne pas critiquer pour critiquer. Voilà. Que ce soit des gens qui sont pro-PDCI, des gens qui sont pro-RDR, pro-PDCI, je veux dire, FPI, nous, chaque fois qu'il y a un acte qui est posé, qui est anti-républicain, nous le dénonçons. Mais aujourd'hui, il faut être honnête de le dire, même si on a un cadre du RDP, c'est le RDR qui est au pouvoir. Même si on dit que c'est une plateforme qui est au pouvoir, mais dans les faits, c'est le RDR. Et quand vous voyez comment les dirigeants du RDR se comportent, vous avez l'impression qu'on est retourné à l'époque des fondateurs. Parce que ce sont les mêmes affaires qui ont commencé. C'est la même gourmandise dans la recherche du profit qui s'est passée. Et nous n'hésitons pas chaque semaine à dénoncer cela. Mais quand on découvre, en faisant cette enquête, qu'on découvre qu'une autre personne, même si il n'est pas proche de RDR, fait la même chose comme M. Diby Kofi, là également, nous n'hésitons pas à le dénoncer. Et donc, c'est à ce niveau-là que j'ai dit que le RDR a tendance à vouloir s'accaparer toutes les parcelles de pouvoir là où il y a quelque chose, il y a du profit à tirer. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, hein. Je crois que vous avez fini vos deux questions. Je reviendrai à vous tout à l'heure, monsieur Diomandé, hein. Alors, voilà, je vais aller donc du côté donc de monsieur Soumaoro, hein, le doctorant Soumaoro, qui est un grand sympathisant, était ex-sympathisant donc des Forces Nouvelles, hein, voilà. Alors, monsieur Soumaoro, allez-y pour vos questions pour monsieur Assadé Kimoko, que vous avez certainement cité hier, hein, pour le travail qu'il fait d'ailleurs. Allez-y, monsieur Soumaoro. Ben écoutez, je tiens à vous remercier monsieur Jacques Roger et à remercier monsieur Assalé Kimoko de se prêter à nos questions. Je vous ai dit en toute sincérité que j'apprécie le travail que fait M. Assalé. Mais je pense que M. Assalé, parce que je l'écoute depuis quelques minutes déjà, s'expose aussi à pas mal de critiques. La première critique, et je souhaite que il puisse garder la ligne de son journal, parce que dans le débat actuel, M. Assalé a tendance à faire référence à ce qu'il appelait malversation au niveau du pouvoir, ce serait mieux de les étayer avec des exemples concrets. Ma seconde préoccupation, M. Assalé, tout à l'heure, répondant à la question du pasteur Aka, a estimé que, en ce qui concerne les élections de 2010 qui ont entraîné, bien entendu, la crise post-électorale, il ne sait plus qui a gagné. Moi, je suis surpris que cela vienne de M. Assalé, que je suis depuis longtemps. Je sais que M. Assalé a démontré par A plus B que M. Laurent Gbagbo avait perdu les élections. Et d'ailleurs, s'il veut que je lui facilite la tâche, c'est lui qui avait dit en son temps qu'en voyage à Lakota, il avait été interpellé par un vieux qui lui avait dit notamment que Gbagbo, ça signifiait bagarre ou bien coup de poing. Je le dis, ça n'a rien à voir avec les élections. Pour dire que nous savons qu'effectivement, alors qu'il était journaliste au Nouveau Patriote, au Nouveau Réveil, pardon, il a contribué à éclairer les Ivoiriens sur ce processus électoral qui, pour lui, avait abouti effectivement à la victoire de M. Ouattara. Donc, revenir sur ces questions, ça m'inquiète parce que je ne veux pas que son journal se préoccupe de ce qu'on appelle le journalisme prébendier, dire des choses parce que ça nous permet de séduit l'opinion alors qu'on ne le pense pas vraiment. Et au-delà de cela, il faut que M. Assalé
qui fait déjà un bon travail, continue ce travail en étayant avec des exemples concrets tous les reproches qu'il fait aux uns et aux autres, quelle que soit leur appartenance politique. Voilà ma question doublée de commentaires que je voulais faire à ce niveau du débat. Merci bien, M. Jacques Roger. Merci à M. Assalé. Monsieur Assalé. Alors, deux observations par rapport à ce que le monsieur vient de dire. Quand il dit que j'ai dit qu'aujourd'hui, je ne sais plus qui a gagné les élections, je pense pas avoir fait une telle affirmation. J'ai dit que revenir au débat de qui a gagné les élections en 2010, alors que nous sommes en 2012, était un peu fastidieux. Mais comme quelqu'un l'a suivi tout à l'heure, j'ai passé 8 heures à la police criminelle où on m'a demandé qui a gagné les élections. Et si j'ai passé 8 heures là-bas, c'est parce que justement, j'ai dit en ce moment précis que c'est M. Ouattara qui a gagné les élections. Et travaillant pour un journal qui est proche du PDCI et qui est dans le cadre du RHDP, je ne pense pas qu'il y avait autre chose à dire. Et puis moi-même, je l'avais écrit, j'avais dit à M. Gbagbo de céder le pouvoir parce que c'est M. Ouattara qui devait exercer le pouvoir. Maintenant, le débat dans lequel je ne voulais pas rentrer, c'est qu'on ne dise pas, qu'on ne m'utilise pas pour dire que Assalé Thiam'Oko dit qu'en 2010, M. Gbagbo Laurent est peut-être celui qui a gagné l'élection ou bien M. Ouattara n'a pas gagné. Non, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, ce débat-là, il est dépassé. De chercher à qui a gagné l'élection, qui n'a pas gagné l'élection. Il y a un homme qui est là au pouvoir aujourd'hui, qui exerce le pouvoir, qui a passé par une élection, qui est arrivé là où se trouve aujourd'hui. Ça, je pense que nous l'avons déjà écrit, nous l'avons déjà dit. C'est la première précision que je voulais faire. Deuxième chose, quand il parle d'exemples concrets pour étayer ce que nous donnons comme accusation, je vais citer peut-être deux ou trois exemples. Le dossier Satarem Grunsol avec la ministre, l'ex-ministre de la Salubrité urbaine, Anne Oloto, c'est nous qui l'avons révélé. Quand elle a passé un marché d'environ 14 milliards de francs CFA avec une société fictive qui a été créée par l'ancien ministre d'intégration africaine, M. Adama Bictogo. C'est l'éléphant du Sénat qui a révélé ce scandale. Ça a pris pratiquement un mois. Vous savez que la ministre est venue même sur le journal de 20 heures pour nous traiter, me traiter moi personnellement de journaliste mercenaire de la plume. Et donc, ça, c'est un cas de malversation flagrante que nous avons dénoncé, preuve à l'appui. Et finalement, l'autorité de régulation des marchés publics a annulé le marché que la ministre avait fait avec Grunsol, qui était une société, je le répète, fictive. Ça, c'est le 1. Quand le petit frère du président de la République, M. Tene Biraïma, s'est offert avec le directeur de cabinet du président de la République et le secrétaire général de la présidence, quand les trois se sont offerts des voitures blindées, à près de 400 millions achetés à Bruxelles, alors que l'État de Côte d'Ivoire avait déjà donné des véhicules au même titre que tous les ministres. Quand ils ont fait cet achat, que nous avons estimé comme un gaspillage, et puis nous avions les preuves, quand nous l'avons affirmé, nous l'avons donné les documents, la teste. Il n'y a jamais eu de réaction, il n'y a jamais eu un seul droit de répondre parce qu'on avait les preuves. On l'a affirmé, ça fait deux. Troisième chose, quand, comment il s'appelle, le ministre Adama Bictogo, dans cette affaire des déchets toxiques. C'est parce que c'est Jeune Afrique qui l'a dit que le président a agi, mais sinon l'éléphant l'avait déjà écrit en disant qu'il y avait eu des malversations dans la répartition des frais qui avaient été attribués aux victimes des déchets toxiques. Et nous l'avons fait avec les preuves à l'appui, avec des relevés bancaires, des chèques, tout ça, nous l'avons publié ça. Mais ça n'a jamais eu d'effet. Il a fallu que Jeune Afrique reprenne tout ce qu'on a écrit pour que le président de la République réagisse. Et donc, ça fait trois faits. Donc, ce que nous disons, nous les étayons de preuves écrites. Quand le dossier de Dibi Kofi Shall, nous l'avons publié, mais avec toutes les preuves, ça fait combien de semaines ça fait combien de jours que ce dossier est paru? Ça fait maintenant presque une semaine. Est-ce que vous avez vu le moindre droit de réponse ou bien même une procédure judiciaire contre l'éléphant enchaîné? Il n'y a aucune procédure judiciaire parce que nous avons toutes les preuves de ce que nous avons affirmé. Et donc, nous n'avons jamais utilisé quoi que ce soit dans le gouvernement de M. Ouattara sans preuve. Parce que d'ailleurs, si on le faisait, on s'exposerait et le journal disparaîtrait parce que on serait poursuivi pour diffamation, on n'aurait pas les preuves de ce que nous avons affirmé et on nous condamnerait à payer des amendes qu'on ne pourrait pas supporter et on fermerait l'entreprise. Et donc, nous n'affirmons rien qui ne soit pas étayé par une preuve écrite. Quand nous avons dit que le président de la République a dépouillé le ministre Achille Patrick de tous ses pouvoirs, mais les gens ne nous ont pas pris au sérieux. Pendant un mois, on l'avait affirmé, jusqu'à ce que le président prenne le décret qui attestait cela. Nous avons été les premiers à publier ce décret pour que les Ivoiriens soient informés. Quand nous avons dit que le ministre Alain Le Bognon utilisait l'argent qui servait à réintégrer les anciens combattants dans la vie civile pour faire autre chose, nous l'avons dit avec des preuves.
finalement, le chef de l'État a fait quoi? Il a pris un décret pour dissoudre cette structure qu'on appelait le programme du service civique national. Alors donc, nous n'affirmons rien, nous ne sommes pas étayés par une preuve. C'est ce que je voulais dire au frère qui a posé la question. Monsieur Soumaro. Oui, 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 Monsieur Jacques Roger. Je pense que Monsieur Assalé, il fait un bon travail, ça, je ne le conteste pas. Mais il ne faut pas que Monsieur Assalé aussi tombe dans la facilité d'accuser les tenants du pouvoir, parce que ça peut lui permettre de faire grandir un peu sa notoriété au niveau de l'audience. Attendez. Ah non, mais ce que nous affirmons a été par des preuves. Donc, c'est ce que j'allais dire. Justement, j'avais voulu arrêter M. Soumaro. Voilà, c'est ça. Si on n'avait pas de preuves, il y a longtemps qu'on nous aurait condamné. Voilà, c'est ce que j'allais dire à M. Soumaro. Non, écoutez, moi, je n'en disconviens pas, M. Assalé. Je demandais à M. Jacques Roger, j'estime que vous faites du bon travail. Ça, c'est important. Ouais. Maintenant, en faisant ce travail-là, gardez une ligne qui voudrait que vous restiez objectif, vous restiez indépendant. Et je suis un peu déçu quand vous me dites, parce que vous avez travaillé au Nouveau Réveil, vous étiez obligé par moment de garder une ligne politique. Là, je pense que ça peut porter un peu à tête à votre crédibilité. Non, pas du tout. Vous voyez, M. Soumaro, oui. Ce que je voulais dire, c'est que, vous savez, le reproche de ce qu'on nous a tué de ne critiquer que le régime de M. Ouattara, il ne tient pas pour ceux qui ont lu tous les numéros de l'éléphant enchaîné. Vous savez, pendant un mois, l'éléphant du Sénat s'est attelé à démontrer que M. Gbagbo Laurent est l'auteur principal des détournements de fonds qui ont eu lieu dans l'affaire avec Cacao. Et nous l'avons publié, nous l'avons fait cela en publiant les chèques que ce monsieur avait perçus venant des dirigeants de la filière avec Cacao. Et des chèques qui démontraient que près de 17 milliards sont partis à la présidence provenant des caisses de la filière. Ça, c'est l'éléphant du Sénat qui a révélé tout ça. Il n'y a jamais eu de réaction. C'est nous qui avons accusé le ministre Danone Didier d'avoir perçu 1,5 milliard pour faire une fête. Et la fête n'a jamais eu lieu, l'argent n'a jamais été restitué. C'est nous qui avons démontré ça, avec preuve à l'appui. C'est nous qui avons démontré que M. Bonoumba avait touché plein d'argent au niveau de la BCAO, revenant au fond de l'Afrique avec KO. Avec preuve à l'appui, il n'y a jamais eu de réaction. Donc, il n'y a pas que M. Ouattara que nous critiquons. Nous critiquons toutes les parties. Quand nous avons les preuves, nous affirmons ce que nous avons affirmé. Et donc, le reproche selon lequel on veut critiquer le régime pour vendre, il ne prospère pas devant l'éléphant du Sénat parce que nous ne caressons aucun camp. Quand nous avons les preuves, nous n'hésitons pas à épingler n'importe qui. Voilà. Merci beaucoup. On reviendra certainement à vous, M. Soumaro, tout à l'heure. Alors, nous allons aller du côté de Maryland cette fois-ci. C'est le pasteur, le docteur Nda, le pasteur Nda. Alors, pasteur, vous êtes en ligne. Oui, Jacques, merci. Merci pour ce coup de chapeau de nous amener une très grosse pointure. Vraiment, j'apprécie. Et je dis que ça me donne des larmes aux yeux. J'ai d'abord une question à vous poser. Une première question, M. Assalé. D'abord, merci pour le travail que vous faites. Nous allons vraiment nous abonner à votre journal. Avez-vous pensé à former des journalistes de votre trempe? Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de gens comme vous. Est-ce que ça vous est venu à l'idée de former? Ah oui, je vais répondre rapidement à cette question. Vous savez pourquoi je suis parti du Nouveau Réveil? Quand le pouvoir a changé, j'ai même fait une confidence. Le 3 juillet 2011, j'ai été reçu à Malabo par le président Ouattara dans le cadre de, je crois, la 16e Assemblée générale de l'Union africaine. Ça s'est passé en Guinée équatoriale et je suis allé couvrir ça pour le Nouveau Réveil. Et puis, il y a le premier ministre actuel, M. Duncan, qui m'a dit que le président voulait me voir. Et puis, ça s'est passé. Au moment où il devait me recevoir, il a reçu la présidente Hélène Johnson Sirleaf, et puis on n'a pas pu se voir. Et dans la soirée, il m'a reçu. Il y avait d'autres confrères qui étaient là. Et puis, le président voulait me féliciter parce que l'article que j'avais fait le 18 février 2011, il était au golf, il a vu que c'était un papier courageux. Donc, il voulait me dire merci pour ça. Mais tenez-vous bien, moi, je lui ai dit, monsieur le président, si je l'ai fait, c'est parce qu'en ce moment précis, j'estimais que c'est vous qui devait occuper le fauteuil du président. Mais tout ce que je vous souhaite comme chance, c'est de tenir les promesses que vous avez faites aux Ivoiriens. Je lui ai dit ça à Malabo. Parce que je vais partir du Nouveau Réveil pour créer un journal qui va faire en sorte que vous ne tombiez pas dans les mêmes erreurs que M. Babo, dans lesquelles M. Babo est tombé parce que les gens l'ont induit en erreur. Et quand on est revenu à Abidjan, c'était en juillet. Je suis parti du Nouveau Réveil 2 semaines après ma rencontre avec le président Ouattara. Et au cours d'une réunion, j'ai demandé à mon patron, M. Casillon, est-ce que
vous me laisserez la possibilité de continuer à critiquer le régime de M. Ouattara comme vous m'avez laissé la possibilité de le faire sous M. Laurent Gbagbo. Ils m'ont dit non, on est au pouvoir. Vous comprenez? Ils m'ont dit non, on est au pouvoir, donc on ne pourra plus critiquer M. Ouattara comme on critiquait M. Gbagbo Laurent. Et j'ai dit, donc moi je n'ai plus ma place à le nouveau réveil. Parce que je vais continuer à critiquer. Et tenez-vous bien, ceux avec qui j'ai créé l'éléphant de chenille, ce ne sont pas des journalistes, j'allais dire, connus en Côte d'Ivoire. C'est des jeunes gens que j'ai eu comme stagiaires quand j'étais au nouveau réveil, parce que j'ai géré le département des ressources humaines. Donc je les ai eu comme stagiaires, et comme on n'a pas pu les garder, j'ai gardé leur contact. Et quand j'ai voulu créer mon journal, je les ai rappelés pour dire, écoutez, je veux créer un journal pour faire la presse autrement en Côte d'Ivoire. Faire en sorte que les gens respectent les journalistes de Côte d'Ivoire. Faire en sorte que nous ne passons pas notre temps à réclamer des perdièmes et que les politiciens nous utilisent pour diviser les Ivoiriens. Et ces jeunes gens-là qui n'ont pas d'expérience, c'est eux qui font l'éléphant déchaîné. Et aujourd'hui, vous savez, nous on a interdit même les reportages, aller couvrir les manifestations politiques et puis prendre 5 000 francs de perdièmes. J'ai interdit ça à mes journalistes. Je leur ai dit, ce qui nous intéresse, c'est ce qui n'arrange pas les Ivoiriens. Quand un homme politique pose un acte qui ne nous arrange pas, c'est ça qui nous intéresse. On n'est pas là pour dire tel est beau, tel est joli, ainsi de suite. Rien. Et donc, la question que vous posez, elle est importante parce que c'est cette culture-là que je suis en train d'inculquer aux jeunes gens avec lesquels je travaille. Je leur ai dit, si nous réussissons à tenir dans cette galère, parce que l'éléphant déchaîné vit une galère, la façon dont nous faisons le journalisme nous attire trop d'inimitié. Mais je dis aux jeunes gens, si nous tenons 1 an, 2 ans, 3 ans, les gens seront obligés de s'aligner sur l'éléphant déchaîné. Et la Côte d'Ivoire pourra gagner quelque chose. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est un défi que nous sommes lancés. Nous allons le relever. Donc, c'est des jeunes gens qui ne sont pas, j'allais dire, entre guillemets, encore corrompus par l'environnement ambiant en Côte d'Ivoire. Et donc, avec lesquels nous sommes en train de nourrir un rêve, c'est de faire la presse de ce qu'elle est vraiment le quatrième pouvoir et qu'elle effraie ceux qui ne sont pas là pour aider les Ivoiriens à aller dans sur le chemin qui conduit au bonheur. Merci, M. Assal. En tout cas, nous prierons pour vous de tout notre cœur. Pour que Dieu vraiment vous conduise dans ce projet. Ma dernière question est simple. La Côte d'Ivoire, elle est ce qu'elle est. Il y a eu de graves violences. Nous avons une photo qui circule depuis un certain temps où nous voyons des hommes mis nus et des militaires autour. Certains les battent et tout cela. Couchés, c'est assez horrible comme image à voir. Et je me demande ce que vraiment ça se passe en Côte d'Ivoire. Quelle est votre vision de la Côte d'Ivoire actuellement? Vous êtes un journaliste d'investigation. En fait, cette souffrance et cette violence aujourd'hui, est-ce que nous sommes partis pour une véritable guérison des cœurs? Que dit la Côte d'Ivoire de cette violence? Alors, deux types de réponses par rapport à la question que vous posez. La première chose, c'est que l'image dont vous parlez, la photo de personnes mises nues autour desquelles se trouvent des militaires, je pense bien connaître cette image. Je pense que je l'ai vue en direct, parce que j'ai reçu cette photo dans ma boîte. Je pense que c'est un confrère français avec lequel j'étais en prison. Il s'appelle Jean-Paul Ney. Hein. C'est un journaliste français qui a été emprisonné en 2008 dans le cadre d'une affaire. On dit IB voulait renverser M. Gbagbo à l'époque. Et ce journaliste faisait des photos devant la RTI, il a été pris par la gendarmerie. Et il était à la Maca avec nous, on était dans le même bâtiment, il s'appelle Jean-Paul Ney, c'est lui qui a fait cette photo. Cette photo a été faite le 18 décembre 2008, pendant la révolte des prisonniers de la Maca. Ça a été fait, c'est le CECOF qui a mis ces prisonniers là nus. Ils ont passé 6 heures, de 6 heures du matin jusqu'à 18 heures, les yeux fixés dans le soleil. Et donc, c'est du bâtiment de l'Assemblée où nous étions que le journaliste Jean-Paul Ney a fait cette photo, et d'ailleurs il a donné à toute la presse ivoirienne, certains l'ont publié, d'autres ne l'ont pas publié. Donc ça s'est passé exactement en Côte d'Ivoire le 18 décembre 2008, je peux en témoigner. Merci. Alors, pour la suite, ce que vous posez, est-ce que la Côte d'Ivoire va s'en sortir? Je pense qu'il ne faut pas être pessimiste. La Côte d'Ivoire a beaucoup de potentialités, la Côte d'Ivoire est un peuple formidable qui est fatigué des hommes politiques, ça il faut le reconnaître. Les Ivoiriens, qu'ils soient pro-Gbagbo, qu'ils soient pro-PDCI, qu'ils soient pro-RDA, dans leur majorité, sont fatigués de la façon dont la politique est faite en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un constat que tout le monde peut découvrir. Maintenant, il appartient maintenant aux Ivoiriens de comprendre eux-mêmes que si nous voulons que nos hommes politiques changent, c'est nous qui allons les faire changer. Quand nous allons commencer à les responsabiliser, quand nous allons commencer à faire en sorte que le moindre centime qu'ils dépensent soit justifié, à partir de ce moment, la Côte d'Ivoire aura un espoir. Parce qu'aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé. Quand la ministre internationale a publié le rapport sur les violations de l'homme
des droits de l'homme se passe en Côte d'Ivoire. Quand Human Rights Watch a publié un rapport sur les violations des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les autorités ivoiriennes, c'est-à-dire des cadres du RDR, qui aujourd'hui sont au sommet de l'État, qui ont été les premiers à ruer dans les brancards et à dénoncer une sorte de complot contre la Côte d'Ivoire. Mais écoutez, moi j'étais à une émission sur la RTI, j'ai dit, mais attends, mais dans quel monde on se trouve? Ce sont les mêmes structures-là qui font les mêmes rapports quand M. Babou était au pouvoir, et que nous considérons comme des structures crédibles, et nous prenions pour critiquer M. Babou Laurent. Aujourd'hui, les mêmes structures critiques, M. Ouattara, on dit qu'ils sont achetés par des gens qui veulent voir la Côte d'Ivoire tomber dans le trou. Mais attends, il faut qu'on soit un peu responsable. Et donc, ça c'est extrêmement inquiétant. Et aujourd'hui, c'est le même ministre-là, M. Yenema Koulibaly, qu'on a nommé comme ministre de la Justice. Quelqu'un qui nie les rapports des ONG qui soutenaient hier. Alors, moi, je suis inquiet. Voilà. Et donc, quand on prend tous ces éléments, on se dit, mais attends, il y a de la matière à s'inquiéter. Parce que si nos autorités, déjà, n'acceptent pas les critiques qu'ils cautionnaient hier, c'est qu'on est en danger. Et donc, quand on se met à ce niveau, on se dit, il faut qu'on se mette tous à prier et à dire à nos autorités que le temps arrive où les Ivoiriens vont dire, attendez, ça suffit. Et des journaux comme le nôtre, là, comme le mien, vont contribuer à cela. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez la presse, qu'elle soit pro-RHDP, qu'elle soit pro-RDR, pro-Babo Laurent, quand vous la lisez, vous avez peur. Vous avez l'impression que demain le pays va brûler. Vous voyez? Et ça fait 10 ans qu'on fait cette presse-là, qui nous a conduit à la guerre. Mais aujourd'hui, et les gens n'ont pas pris conscience, ça continue encore. Et tous les jours, le CNP frappe. C'est des blâmes, c'est des suspensions. On dit non, le CNP veut embrigader la presse. Non, non, non. Ce que le CNP fait est normal. La presse ivoirienne, moi je le dis toujours à mes confrères, elle est un danger permanent pour la population ivoirienne. Si cette presse n'est pas assainie, elle va nous conduire encore à une guerre plus cruelle que celle qu'on a déjà vécue. Et donc, à tous les niveaux, il y a un travail à faire pour que nos politiciens... C'est nous qui les encourageons à faire ce qu'ils font. Quand vous avez une presse, vous avez vu le dossier que nous avons fait sur le Tibi Koffi Tchale. Vous avez vu que, je le cite, mon confrère, l'intendant d'Abidjan, a fait un papier où ils nous ont traité de pro-Babo. C'est-à-dire que moi, j'ai été traité de pro-Babo parce que j'ai fait un dossier sur Tibi Koffi Tchale. On m'a traité de pro-Babo. On a même dit que j'ai perçu 500 millions de francs CFA pour faire ce dossier. Vous vous rendez compte? Il y a le confrère, le Nouveau Réveil, où j'ai travaillé pendant 2 ans, qui a fait aussi un article où on m'a demandé de laisser tomber mon masque. Ça veut dire que je suis guidé par des gens pour nuire au régime de M. Ouattara. Et c'est le Nouveau Réveil qui écrit ça. Alors, quand vous voyez une presse comme ça, qui n'apporte pas les preuves contraires à ce que nous avons affirmé, on est en danger. Alors, donc, quand tout cela se fait dans le même pays, on se dit, bon, il y a un travail à faire. Nous autres, on se met en danger en permanence. C'est au quotidien que je suis en danger. Mais je me dis, tant que Dieu me donne la force de vivre, il faut que je continue sur cette voie-là pour que demain les Ivoiriens découvrent qu'il y a matière à changer. Parce que aujourd'hui, l'exemple le plus patent, il est là. C'est que l'éléphant déchaîné, qui a moins de 2 ans d'existence, vend plus que des journaux ivoiriens qui ont 10 ans d'existence. Ça veut dire que les Ivoiriens sont fatigués de cette presse-là. Et que le jour va venir où ils vont dire aux journalistes de Côte d'Ivoire, faites votre travail et arrêtez d'aider les politiciens à nuire au peuple de Côte d'Ivoire. Voilà la réponse que je peux vous donner, monsieur. Merci, pasteur Nda. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Je sais que monsieur Nguetta, quand vous écoutez monsieur Assalé, est-ce que par moment, vous n'avez pas l'impression que c'est Jacques Roger qui parle, hein? Voilà. Alors, nous allons aller du côté de sister Sarah. Bonsoir, sister. Comment allez-vous? Bonsoir, Jean. Allez-y, sister Sarah. Ah, bon, vous m'entendez. OK. Voilà. C'est donc à Boston, voilà, donc enseignante, mais à Boston. Allez-y, sister Sarah. Oui, bonsoir, monsieur Assalé. Bonsoir, madame. Mais écoutez, je salue votre courage, hein, parce que vous venez parler sur le Jacques Roger Show où il y a beaucoup de personnes qui sont, comme on appelle, persona non grata au niveau du gouvernement de M. Ouattara, parce que ce sont des personnes qui critiquent virulement le mal fonctionnement de notre gouvernement et de la politique en Côte d'Ivoire. Alors, vous, je sais que tout à l'heure, vous avez répondu à M. Diomandé en disant que les pro-Babo certainement trouveront de bonnes choses à dire à propos du gouvernement Babo, les pro-Ouattara feront de même. Mais vous, en tant que journaliste d'investigation qui ne parle pas sans preuve et qui analyse la société ivoirienne d'un point de vue assez objectif, est-ce que vous pensez qu'on peut dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est un état de droit, un état dans lequel
il y a des institutions fortes qui fonctionnent, qui permettent à l'Ivoirien justement de bénéficier de la justice, de la paix. Et puis, avec ce que vous avez vu en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que, qu'est-ce que vous pensez vous-même en tant que journaliste des arrestations auxquelles on a assisté, le transfert de M. Gbagbo à La Haye, bientôt Mme Gbagbo qui va suivre si possible. Et puis, il n'y a rien qui est fait du côté des rebelles, tels que Soro Guillaume et son groupe. Est-ce que vous pensez que la justice ivoirienne fonctionne de façon égale en Côte d'Ivoire, comme on nous le fait croire? Est-ce que vous êtes sur le terrain? Alors, je vais vous répondre de façon très objective. Est-ce que la Côte d'Ivoire est un état de droit? Je dis oui. Oui, mais avec des guillemets. Parce que tous les éléments qui permettent d'affirmer que la Côte d'Ivoire est un état de droit ne sont pas réunis. C'est vrai, nous avons des institutions qui sont là, qui plus ou moins fonctionnent, mais tous les ingrédients qui permettent d'affirmer que un état de droit existe aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne sont pas là. Je vais vous donner un seul exemple. Nous l'avons publié ici parce qu'on a eu accès à un rapport de l'ONU que personne n'a contesté en Côte d'Ivoire, hein, mais ce rapport n'a pas d'ailleurs été rendu public. Ce n'est pas le dernier rapport qui a été fait par les experts sur les Gbagbo, ça n'a rien à voir. C'est un rapport qui date d'avril 2012, dans lequel il est dit qu'à Abidjan, ce sont les propos du ministre de la Défense de Côte d'Ivoire qui le dit, à Abidjan, vous avez 18 000 personnes qui sont en tenue militaire, au même titre que les FRC officiellement connus, qui sont armés, mais qui ne sont pas membres des FRC. 18 000 personnes qui sont à Abidjan, armés, en tenue militaire, mais qui ne sont pas membres des FRC. Au point où, aujourd'hui, quand vous croisez un homme armé en Côte d'Ivoire, à Abidjan, vous ne savez pas si vous avez affaire à des forces régulières ou à des forces parallèles. Ils sont dans des véhicules qui appartiennent aussi à l'armée, mais qui obéissent à une chaîne de commandement qui n'a absolument rien à voir avec la chaîne de commandement officielle. Ça, quand vous avez ça dans un pays, on n'est pas dans un état de droit en tant que tel. Parce que tant que ça n'a pas pris fin, on peut vous enlever à Cocody où nous autres vivons, on peut vous enlever à Yopou, on vous envoyer où on veut. Les autorités officielles ne sauront même pas qu'on vous enlève. On ne saura même pas où aller vous chercher. Quand c'est comme ça, on est tous en danger dans un tel état. Deuxième chose, la justice ivoirienne. La justice est un élément qui contribue à dire qu'on est un état de droit. Quand les gens sont jugés, non pas au regard de leur habillement, non pas au regard de leur tête, mais en fonction du droit pur, on dit qu'on est dans un état de droit. Or, à l'état actuel, la justice ivoirienne, il faut le dire, nous le disons toujours, nous sommes dans une situation où la justice ivoirienne ne fonctionne pas normalement. Elle ne fonctionne pas. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger à ce propos, à deux reprises d'ailleurs, avec l'ancien Premier ministre, ministre de la Justice, M. Aoussou Jeannot. Je lui ai dit clairement que la justice ivoirienne, à mon avis, ne fonctionne pas du tout. Parce que vous avez des Ivoiriens qui ont peur de l'appareil judiciaire, qui sont victimes d'injustice, mais qui préfèrent ne même pas en parler parce que ça ne sert même pas à quelque chose d'aller se plaindre à la justice. Quand vous avez ces éléments-là, vous n'avez pas affaire, vous n'êtes pas dans un état de droit tant que tel. Quand vous prenez la police de Côte d'Ivoire, les règles de fonctionnement du code de procédure pénale, pour nous avons fait le droit, on les connaît toutes. Mais quand vous arrivez, quand on vous poursuit à la police, quand vous arrivez, quand le plaignant est un roi, dès l'instant où il est passé pour faire ce qu'il a à faire, quand vous arrivez, automatiquement, on vous dépose au violon. Quand vous avez tous ces ingrédients-là, on n'est pas encore dans un état véritablement de droit. Donc c'est un combat perpétuel, c'est un défi perpétuel qu'il faut relever, auquel les autorités doivent travailler pour que on atteigne cet idéal d'état de droit. Sinon, c'est un projet. On n'est pas encore véritablement dans un état de droit quand on prend en compte tous ces éléments-là. Maintenant, la question que vous posez, est-ce que la justice n'est pas à double vitesse quand on voit qu'il n'y a que les pro-Gbagbo qui sont poursuivis? Vous savez, je vais vous donner deux exemples. Il y a une émission qu'on appelle le Club de la Presse, qui est diffusée tous les dimanches sur la RTI. J'ai participé à 4 reprises à cette émission. À 2 reprises, elle a été censurée. Parce que, justement, il y a certaines des choses qu'on a dénoncées, que j'ai dénoncées, et pour lesquelles l'émission n'a pas été diffusée. Je pense qu'on en a parlé plusieurs fois sur des réseaux sociaux. Et vous savez, la dernière émission de dimanche passé, à laquelle j'ai participé encore, elle a été purement et simplement censurée, parce que j'ai dénoncé les éléments qui ont entouré la dissolution du gouvernement. Ça a été censuré. Alors, quand vous avez tout ça, vous dites qu'il n'y a pas de liberté d'expression tant qu'était dans les médias publics. Et donc, vous êtes dans une situation où on veut que vous dites ce qui plaît à ceux qui nous gouvernent. C'est pas normal.
Donc, on ne peut pas dire, quand on prend cet élément-là en compte, que nous sommes dans un état de droit. Troisième chose par rapport à la CPI, ça aussi on le dit tous les jours. M. Mabou a été transféré depuis pratiquement novembre 2011, je crois. Depuis 2 jours, on sait qu'il y a un mandat d'arrêt contre Madame Simone Mabou. Est-ce que M. Ouattara va accepter qu'elle soit transférée ou pas? On ne peut pas en préjuger, c'est à lui de prendre la décision. Mais cette façon de faire, chaque jour, nous dénonçons cela. Nous disons que il est temps maintenant qu'on passe à une sorte d'équilibrage des poursuites. Parce que M. Ouattara a mis en place une commission d'enquête nationale qui a fait son travail. On peut en dire ce qu'on veut, mais il y a un fait qui est dedans, qui est concret. La commission a dit il y a environ 500 personnes qui ont été exécutées de façon sommaire par le FRC. Ça est dans l'enquête conclue par la commission nationale d'enquête. Et donc, nous attendons la mise en place de la phase judiciaire de cette enquête-là, parce qu'elle elle épingle des responsables de FRC qui sont encore à Abidjan, que tout le monde connaît. Quand est-ce que la justice ivoirienne va se mettre à les arrêter et à mener les investigations pour découvrir ce que chacun a fait? Donc, quand on prend tous ces éléments-là, on se dit, bon, il y a un sort de équilibrage, et ça donne l'occasion au pro-Babou de dire qu'il y a une justice à double vitesse, une justice de vainqueurs. Ce qui peut être étayé, effectivement, par des preuves. L'exemple que je viens de vous donner est une preuve. La commission d'enquête a fait son travail. Les auteurs ont été rendus publics, ça fait maintenant presque 3 mois, mais on n'a pas encore entendu qu'une poursuite a été engagée contre les gens qui ont été identifiés par la commission d'enquête mise en place par notre chef de l'État. Et nous pensons que ça devrait pouvoir se faire, et jusque-là, on ne voit rien. Je sais, et ça on l'a écrit aussi, que l'ancien Premier ministre avait mis en place un certain nombre de magistrats. Il devait commencer à exercer depuis le mois de novembre, mais qu'on ne lui a jamais donné la possibilité de le faire parce qu'il avait décidé de mettre en pratique la phase judiciaire de l'enquête de la Commission nationale. Est-ce que M. Yenema, qui vient d'arriver, qui est proche de l'ex-rébellion, va pouvoir avoir la force nécessaire de mener ces enquêtes-là? On n'en sait rien. Mais dans tous les cas, quand on met tous ces éléments ensemble, on se dit l'état de droit n'est pas encore une réalité. Le chef d'État lui-même, même s'il affirme, il reconnaît qu'il y a des secteurs dans lesquels il y a beaucoup d'efforts à faire pour qu'on dise que la Côte d'Ivoire est redevenue un état de droit en tant que tel. Mais en fonction de ce que vous venez de dire, est-ce que vous ne pensez pas que c'est la raison même fondamentale de la chute de M. Aoussou, hein, pour ne pas que c'est tellement, il applique un peu, j'allais dire, cette justice, hein, j'allais dire, transversale un peu partout en Côte d'Ivoire? Oui, ça on sait que, effectivement, je le dis, on sait que, nous savons que le Premier ministre Aoussou, je crois il y a 3 semaines de cela déjà, non, 1 mois de cela, avait instruit ses services de désigner 8 magistrats qui devaient être dans un comité qui allait commencer à préparer les mandats d'arrêt et consorts pour poursuivre les personnes qui ont été épinglées dans le rapport de la commission d'enquête nationale mise en place par le chef de l'État. Et bon, je ne sais pas si ce chantier va se poursuivre parce que je sais aujourd'hui, j'ai eu la preuve que les magistrats en question n'ont pas été désignés parce que des blocages ont été faits un peu partout et donc ça n'a pas eu lieu. Aujourd'hui, il n'y a plus premier ministre, il n'y a plus ministre de la Justice, c'est M. Yenema qui est là. Est-ce que ça va se faire? On ne peut pas en préjuger, a priori. Ça devrait pouvoir se faire, mais est-ce que ça va se faire? Je pense que les jours à venir vont nous situer là-dessus. Oui, mais par rapport au ministre, le nouveau garde des Sceaux, hein, est-ce que déjà on ne peut pas dire que ce monsieur ne fera pratiquement rien? Parce que, un, quand il est arrivé d'abord, non seulement il est proche donc, de la rébellion, cela ne devait pas tellement priver M. Nyenema de faire un travail excellent, mais les faits, il a, malgré les rapports des organisations internationales des droits de l'homme, il a seulement, dans un critiqué à peine, à un moment donné, il n'était pas pour, il a été contraint certainement même du bout des lèvres de reconnaître qu'il y avait certainement des violations des droits de l'homme actuellement en Côte d'Ivoire. Alors ensuite, nous avons vu que c'est sous son autorité qu'il y avait 8 000 Burkinabés peut-être qui devaient bénéficier de la nationalité ivoirienne, qui ont pu enfin avoir au moins cette nationalité ivoirienne. Alors, les Ivoiriens se sont posé la question de savoir, voilà un ministre des droits de l'homme qui est arrivé, la seule chose qu'il a trouvée comme violation de grave des droits de l'homme, certainement en Côte d'Ivoire, c'est un peu des Burkinabés qui n'avaient pas droit qui avaient droit à la nationalité ivoirienne et qui n'ont pas pu avoir cette nationalité. Alors, quand on met pratiquement tout ensemble, est-ce qu'on ne peut pas deviner exactement ce qu'on aura de ce ministre-là? Oui, en tout cas, par rapport à ces interventions sur les rapports qui ont été faits par Amnesty International et Human Rights Watch, il a des préjugés défavorables pour sa nomination, parce que c'est pas au regard de ce qu'il a dit,
on n'est pas sûr que ce soit un grand combattant pour les droits de l'homme. Bien au contraire, il dénonce tous ceux qui critiquent les violations des droits de l'homme. Maintenant, il est maintenant le garde des Sceaux. Est-ce que ça va contribuer à faire évoluer les dossiers d'enquête sur les violations des droits de l'homme? Ça, à mon avis, on devrait pas assister à une révolution. Avec M. Yenema, moi, je suis absolument pessimiste. Et ça, je le dis sous la barre des éléments dont nous disposons. Maintenant, comme vous l'avez dit, par rapport à la naturalisation de 8 000 Burkinabés pour lesquels il s'est battu, je pense que ça, c'est pas quelque chose d'assez extraordinaire parce que c'était un vieux dossier qui était là depuis sous M. Bédié, sous M. Babo. Ça devait se faire, ça n'a pas été fait. Ils ont pensé que peut-être que ça peut être comptabilisé à leur actif. Ils l'ont fait. Ça, c'est un autre débat. Mais dans les faits, le problème de fond qui est les violations des droits de l'homme, M. Yenema, pour moi, n'est pas le meilleur cheval qui puisse venir faire évoluer quoi que ce soit en termes de respect des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Il a été ministre des droits de l'homme. Je ne sais pas quelle action qu'il a menée pour que les droits de l'homme soient respectés en Côte d'Ivoire. Je suis même pas sûr qu'en tant que ministre de la Justice, il fera quoi que ce soit pour que les Ivoiriens soient mieux respectés dans leurs droits. Alors, si ce serait, est-ce que vous avez pu poser votre deuxième question? Alors, si ce serait, alors peut-être que nous l'avons momentanément perdu, nous allons venir vers Clotel. Alors, je vais aller du côté d'un pro, Monsieur Laurent Gbagbo. Vous avez répondu à ma question, merci. Ok, merci beaucoup, Sistaleur. Si ce sera. Alors, nous allons aller d'un pro, Laurent Gbagbo, hein, écrivain, hein, Monsieur Laurent Ayeyi. Hein, ça fait, je crois que c'est le troisième bouquin maintenant, Monsieur Laurent Ayeyi, en anglais, bien sûr. Voilà. Alors, Monsieur Ayeyi, vous avez donc Monsieur Assali Antoine. Peut-être que vous aurez la possibilité, pourquoi pas, de faire la promotion de votre livre dans son journal. Hein, voilà. Alors, allons-y, Monsieur Ayeyi, pour votre question. Merci Jacques, mais bien sûr, vous avez trouvé juste. Et d'abord, c'est pour cela que je voudrais vous remercier pour ce beau travail que vous abattez, de faire venir un frère si brillant. C'est vraiment incroyable. Ben, ce sera une occasion pour moi de l'approcher, de tendre la main vers lui pour qu'ensemble, on puisse accomplir, pourquoi pas, écrire un livre ensemble sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Merci Jacques. Merci, frère Assaré. Je vous ai écouté religieusement, avec fierté d'ailleurs. J'ai béni le Seigneur pour vous parce que les conditions et l'environnement dans lequel vous travaillez n'est pas sain. Il est dangereux, mais nous allons prier pour que le Seigneur vous protège avec sa muraille de feu. Vous serez Merci. toujours en sécurité. Alors, moi j'ai une question. Mais avant cette question, je voudrais vous faire une analyse vraiment claire et directe, tant faut fuyant. Le gouvernement Laurent Gbagbo, bien que j'étais un des membres influents du FPI, mais il faut admettre, a raté le coche en Côte d'Ivoire. Et pourtant, nous avons porté notre espoir à ce gouvernement, mais malheureusement, il a dévié, le train a quitté les rails, il faut l'admettre. Mais une chose que le gouvernement Gbagbo n'a pas fait, c'est que Laurent Gbagbo n'a pas donné de nationalité à des gens de la CEDEAO, ni du Burkina, ni du Mali, en masse. Alors, aujourd'hui, le gouvernement de Ouattara vient de nationaliser 4 000 Burkinabés. Et pourtant, Ouattara n'est pas Burkinabé. Alors, nous qui faisons des analyses, on se posait la question de savoir, mais quelqu'un qui n'est pas Burkinabé, qu'est-ce qu'il a? Il y a quoi entre lui et le Burkina pour que les Burkinabés soient nationalisés en masse, les Burkinabés qui prennent nos plantations, toujours Burkinabé, toujours Burkinabé. Qu'est-ce qui se passe? On se poserait la question. Alors, est-ce qu'il y a un projet de détruire la Côte d'Ivoire pour la repeupler avec d'autres nationalités de la CEDEAO? Est-ce que c'est à cela que nous assistons? Allez-y, mon frère Saré. Alors, Monsieur Assali, ça nous permet certainement d'ouvrir un peu le volet de l'implication du Burkina donc dans la crise ivoirienne, et aussi on parle de la présence massive de Burkinabé à l'ouest donc du pays. Je ne sais pas si vous pouvez confirmer cela ou bien peut-être donner votre point de vue par rapport à ça. Alors, vous savez, la presse ivoirienne, elle est diverse, diverse et diversifiée. Chaque jour que Dieu fait, les journaux pro-Bagbo dénoncent. J'allais dire ce qu'ils appellent l'invasion des forêts de l'Ouest par des Burkinabés qui descendent massivement sur l'Ouest dans des quartiers entiers. Chaque jour, c'est cela dit.
Et puis, vous avez la récente rencontre entre le chef de l'État et les populations du Guémon et du Kavali au palais de la République, hein, palais présidentiel. Et les représentants des populations de cette zone-là ont répété la même chose, ont dénoncé l'occupation massive de leurs terres par des gens qui viennent soit de Guinée, soit de Burkina Faso. Ça, c'est une façon officielle que les gens l'ont dit. Donc, quand c'est fait ainsi, il n'y a plus matière à négation. Et donc, ce sont des faits réels. Les populations elles-mêmes ont dénoncé devant le chef de l'État. Et donc, les journaux bleus l'ont écrit, ils l'écrivent tous les jours. Mais en même temps, quand vous avez à tout ça, on peut ajouter un fait qui la dépasse l'entendement. Alors, vous avez le Burkinabé qu'on appelle Amadé Ourémi, qui occupe une forêt classée à l'ouest. Vous savez, depuis combien de temps que tous les Ivoiriens dénoncent l'occupation de cet espace par cet individu qui aurait à sa disposition toute une milice de toute cette forêt légalement. L'État de Côte d'Ivoire, par la voix de son chef d'État-major, a dit que cette forêt va être nettoyée. Mais ça fait plus de 2 mois que cela a été dit. Le même Amadé Ourémi est encore dans cette forêt et pose des conditions avant de partir. L'État de Côte d'Ivoire est obligé de négocier avec cet individu. Et puis vous avez deux exemples qui permettent de relever ce fait. Vous avez le journal gouvernemental, le quotidien Fraternité Matin, qui a offert sa tribune à cet individu qu'on appelle Amadé Ourémi, qui est soupçonné par toutes les ONG de défense des droits de l'homme à travers qui sont en Côte d'Ivoire, d'être l'auteur de tous les massacres qui ont eu lieu au quartier Carrefour à Diokoué. Et cet individu-là a eu une tribune, il a fait la une de Fat Mat où il a expliqué ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Alors, quand on a atteint ce niveau-là, on se dit, ah ben, on est vraiment en difficulté. Et donc, sur cette question, moi, c'est ma position, et c'est pas normal que les terres des Ivoiriens soient occupées par des personnes qui n'y ont pas de droit. Cela a été dit devant le chef de l'État. Je pense qu'il a annoncé que des mesures allaient être prises pour que la chose soit réglée. Ça pose en même temps le problème du foncier rural qui va être demain, j'allais dire, le déclencheur d'une autre crise majeure qui va avoir lieu en Côte d'Ivoire si on y prend garde. Maintenant, pour en revenir à la question de la naturalisation de 4 millions de 4 000 Burkinabés par le chef de l'État, vous savez, ça n'a pas fait l'objet de débat en Côte d'Ivoire. Cette naturalisation, parce que ni les journaux bleus, ni les journaux pro-Bavo, ni les journaux pro-RADP ne se sont tiraillés dessus, parce que c'était un débat, un dossier qui était là, qui traînait depuis longtemps, que M. Bavo aurait dû finaliser, mais peut-être qu'il n'a pas eu le temps de le faire à son temps. M. Ouattara est venu, il l'a trouvé là, et il l'a fait. C'est même un dossier qui remonte jusqu'au président Bédié. Et donc là-dessus, ça ne pose pas vraiment de problème aux Ivoiriens en tant que tels. Ce qui va poser problème, c'est quoi? C'est que vous vous souvenez bien que pendant l'accord de Makoussi, il y avait une clause de ce qu'on devait naturaliser environ 4 millions de personnes qui sont en Côte d'Ivoire, depuis un certain nombre d'années, et qui devraient être considérées comme des Ivoiriens. À l'époque, cette loi-là n'est pas passée au Parlement parce que le FPI et ses alliés s'étaient opposés au vote de cette loi. Et le RDN n'étant pas au Parlement, n'a pas pu participer à ce débat. Mais ça a été rejeté. Mais si vous avez suivi très bien, quand le chef d'État a fait une interview, je ne sais pas si c'est sur France 24 ou bien dans les médias français, où il a dit que c'est un problème qu'il allait définitivement résoudre. C'est-à-dire cette affaire de 4 millions de personnes qui doivent être naturalisées. Ça va passer au Parlement. Ça va faire l'objet de débats. Et même nous l'avons écrit, on va même en parler le mardi dans notre journal. C'est ça même qui est peut-être la vraie raison de la dissolution du gouvernement. Parce qu'il y a deux textes de loi qui vont venir, la loi sur le foncier rural, la loi sur la naturalisation de ces personnes. Et ça a fait l'objet de débats. Nous savons, et ça nous l'avons écrit dans le mardi, nous savons que l'ancien Premier ministre n'était pas du tout d'accord qu'on passe au Parlement avec ces lois, mais qu'on introduise directement les Ivoiriens. Et bien que ça aussi, ça a dû peser dans son départ. Et donc, c'est des questions qui sont extrêmement importantes, qui vont revenir bientôt au Parlement et qui vont, vous allez voir, ça va focaliser l'attention des Ivoiriens pendant au moins une année, pendant au moins 2 ans. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse arriver à faire passer ces lois-là parce que. Vous savez, M. Ouassou a organisé un séminaire gouvernemental à Yamoussoukro qui a abouti à quoi? Qui a abouti au fait que la loi de 1998, votée sous Bédié, concernant le foncier rural, est l'une des meilleures lois qu'on a jamais votées en Côte d'Ivoire. Et donc, il n'y a pas matière à la modifier. Mais ça va passer encore au Parlement, on veut la modifier. Pourquoi? On saura ça bientôt. Et donc, il y a des questions extrêmement importantes qui arrivent et je pense que ça va faire l'objet de grands débats auxquels les Ivoiriens vont certainement participer.
Alors, merci beaucoup, Monsieur Assalé. Peut-être la semaine prochaine, nous allons donc vous avoir. Hein? Voilà. Alors, je vais permettre à Monsieur Ngueta de poser la dernière question parce que je sais qu'il meurt l'envie de poser cette question. Alors, Monsieur Ngueta, allez-y. Vous avez ce privilège de poser cette dernière question et nous allons certainement voir Monsieur Assalé. Hein? Avec, en fonction de son emploi du temps, peut-être qu'elle est samedi, peut-être 30 minutes, peut-être 40 minutes pour faire le point donc de l'actualité sociopolitique. Aujourd'hui, nous avons passé 2 heures du temps pour faire un peu donc le tour. Hein, de, voilà. Alors, Monsieur, allez-y, Monsieur Ngueta, allez-y pour votre dernière question. Oui, Jacques, merci. Merci à tous, surtout à M. Assalé pour, je veux dire, tous ces éléments de réponse qu'il a de nos auditeurs. Ma question, c'est que, M. Assalé, vous êtes suspecté et d'avoir, vous êtes un citoyen libre, vous pouvez avoir comment on appelle ça, je veux dire, des ambitions politiques. Mais les gens pensent surtout, il y a une partie des vivants qui pensent que vous voulez utiliser votre journal pour des ambitions politiques, et on parle même de, comment on appelle ça, de 2015, mais chose législative ou municipale. Alors, qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent que, bon, vous êtes en train de vraiment préparer le terrain, essayer de faire une certaine unanimité autour de vous par rapport à une certaine, ou bien à des ambitions certaines en ce qui concerne la politique? C'est de bonne guerre. Hein? Vous savez, non mais ce serait normal, non bien. C'est de bonne guerre. En fait, ce que je veux dire, c'est que, vous savez, si quand on voit la façon dont la politique est faite en Côte d'Ivoire, on se dit, mais écoutez, c'est que nous tous, on peut gouverner ce pays s'il s'agit de se mettre là pour piller les caisses de l'État et de négliger les problèmes des Ivoiriens et les laisser mourir de faim pendant que des gens à moins de 2 ans, à moins de 6 mois, se construisent des châteaux. On peut tout faire la politique. Non, en fait, le journal que j'ai créé, c'est vrai, cette critique-là me revient très souvent. On dit que je suis en train de préparer le terrain pour me présenter en 2015 aux législatives municipales. Mais ce serait intéressant quand même que dans ce pays, on comprenne que si je voulais faire forcément la politique, je serais resté au niveau réveil. Mais peut-être que ça viendra dans 5, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans. Peut-être que les choses changeront, on sera amené à faire de la politique. Mais pour le moment, mon journal est au service d'une cause qui est simple. Elle est au service de la vérité. Le journal est au service de la vérité. Il est au service de la transparence. Il est au service de la Côte d'Ivoire. Il est au service des Ivoiriens. Il veut faire en sorte que les vrais problèmes des Ivoiriens soient pris en compte par les dirigeants, que le rôle du journaliste dans un état de droit n'est pas de couvrir les mensonges, n'est pas de couvrir les actes qui ne contribuent pas à consolider la cohésion sociale, qui ne contribuent pas à faire avancer la Côte d'Ivoire. C'est toute l'ambition que j'ai. Pour le moment, j'ai pas d'ambition politique. Je vais paraphraser Soro Diop, même si il n'est pas un exemple pour moi. Tu dis souvent qu'à chaque jour suffit sa peine. Et donc, nous, à chaque jour suffit sa peine dans l'éléphant de chaîne, nous essayons d'apporter un plus à la Côte d'Ivoire en faisant en sorte que les Ivoiriens aient accès à la vraie information, aient accès à l'information sur ce qui est fait de leur argent au quotidien, pendant qu'eux-mêmes n'ont pas 100 francs pour acheter une banane pour braiser, et que ceux qui ont mis à tête leur pays plongent les pieds et les mains dans les caisses de l'État et s'offrent des voitures qui coûtent excessivement cher. C'est ce que nous voulons faire avec l'éléphant déchaîné. Et donc, dans notre journal, tout le monde est logé à la même enseigne. Le président Ouattara, M. Bédier, M. Gbagbo et tous ceux qui sont autour d'eux ont droit au même traitement dans l'éléphant déchaîné. Si cela peut permettre aux Ivoiriens de réaliser que nous ne sommes pas tous pareils et qu'on n'est pas forcément tous omnibulés par le pouvoir, omnibulés par l'argent, c'est tant mieux. Ça peut servir d'exemple aussi à des jeunes gens pour venir nous soutenir, pour nous encourager à persévérer dans cette voie-là. Je pense que ce serait une bonne chose. Maintenant, si dans 5 ans, l'envie me prend de faire la politique, les Ivoiriens ne seront pas étonnés, je pense. Encore une fois, merci beaucoup, monsieur et Timoko Antoine. Hein. Alors, nous allons vous permettre certainement donc de nous communiquer certainement
les informations, comment avoir votre journal. Je garde en vous un peu le souvenir de M. Assalé qui était donc en prison, qui cherchait à avoir mon numéro, qui cherchait à communiquer avec moi. Et ça, oui. C'est une chose que je garde tout le temps et chaque fois que je pense à vous. Encore une fois, oui. Merci beaucoup, M. Assalé. Donnez-nous toutes les informations, comment avoir votre journal. Nous allons tout faire pour faire la publicité au maximum, pour que les auditeurs puissent prendre connaissance de votre journal. Voilà. Alors, il y a deux informations qu'on puisse donner sur le journal. Nous avons l'abonnement à la version électronique. C'est-à-dire que vous nous écrivez, on vient communiquer l'adresse électronique, vous nous écrivez à cette adresse, on vous envoie une facture correspondant au nombre de mois pendant lesquels vous voulez être abonné au journal. Et une fois que cette facture est réglée, nous vous envoyons le journal en version PDF 8 heures ou 4 heures avant sa sortie physique en Côte d'Ivoire. Et puis, vous avez le site du journal, qui est l'éléphant déchaîné, l'éléphant déchaîné.com. Vous pouvez nous envoyer un mail là-bas aussi, il y a une adresse là-bas sur laquelle vous pouvez nous envoyer un mail. Et quand nous avons ça, nous vous répondons. Et donc, je vous communique l'adresse mail à partir duquel vous pouvez nous joindre pour pouvoir commander le journal en version électronique. Alors, il y a deux adresses. Vous avez éléphant déchaîné en un seul mot @gmail.com, éléphant déchaîné @gmail.com, et puis vous avez éléphant déchaîné @hotmail.fr, éléphant déchaîné @hotmail.fr, et puis vous avez le site du journal l'éléphant déchaîné .com. Donc à cette trois adresses pour nous écrire, et puis bon, nous vous envoyons les factures une fois que c'est réglé, soit par Western Union mais par virement bancaire. Et puis, vous avez votre abonnement tous les jours avant l'apparition. Vous avez ça en version numérique, 8 heures ou 4 heures avant l'apparition en Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons donc diffuser toutes ces informations. Alors, rendez-vous certainement pour une autre émission la semaine prochaine en fonction de votre emploi du temps. Croyez-moi, je suis vraiment comblé. Tout ce que vous avez dénoncé ce soir, je crois que nous avons dénoncé pratiquement un peu la majeure partie à l'émission. On a pensé qu'on nous étions contre M. Alassane Dramane Ouattara et c'est une fierté certainement donc de vous avoir. Merci à M. Assalé Timoko Antoine. Et merci beaucoup aussi à vous. Vous êtes mon héros et au revoir. Au revoir, à bientôt. Ouais. Voilà. Alors, vous êtes donc toujours à l'écoute donc, de notre émission.